tourne. Hop. Super, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti, le direct est commencé. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes connectés avec nous pour cette e-conférence spéciale coronavirus. Gestion de la crise, qu'est-ce que l'on peut faire pour rester en contact avec notre clientèle durant cette période-là et quelles sont les aides aussi aux entreprises. Donc, on va voir ces deux pôles, donc aide entreprise et comment fait-on pour rester en contact avec la clientèle. Pour cela, j'ai réuni un collège d'experts. Donc, vous avez dans l'ordre des intervenants, Laure Delattre, qui n'est plus à présenter, mais vous savez, c'est la rédactrice en chef du magazine Les Nouvelles Esthétiques qui est là pour nous adresser un mot et ses conseils. Vous avez ensuite Nelly et Aurore de esthéticiennes performantes qui vont être là pour la communication et marketing. Juste avant, vous avez Christophe Licot qui est expert comptable, commissaire aux comptes, qui va nous parler justement de cette partie-là comptable fiscale. Vous avez aussi à la suite Axel Chapuis de Couleur Mandarine qui va nous parler un peu de la stratégie. Et vous avez aussi donc Caroline François, avocate, et moi-même qui ferai un peu le relais s'il y a des intervenants qui ne peuvent pas se connecter. J'ai déjà tous leurs documents. Voilà, donc on en a pour une heure et demie. On va voir. En tout cas, c'est une e-conférence qui est complètement gratuite, qui est complètement offerte, de façon à ce qu'on puisse se rassembler et surtout se rendre compte que tout n'est pas noir. Il y a des solutions. Il y a des portes qui s'ouvrent et quand c'est pas la porte, ce sera des fenêtres. Donc, gardez la foi, les filles, gardez le moral. Vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, plusieurs options s'offrent à vous. Vous aurez de quoi bosser pendant ces moments de confinement. On a du travail pour vous. On a prévu des devoirs. Donc, on va bien vous occuper pour que vous puissiez préparer votre retour et que vous soyez moins stressés. Jérôme Poirot, le naturopathe du centre aussi, sera là en intervenant pour nous donner aussi ses conseils bien-être et immunité. Comment peut-on faire avec la nature ce que l'on peut manger et les compléments alimentaires pour se préserver et se sentir moins stressé aussi. On verra aussi pour avoir des astuces pour aussi, pourquoi pas conseiller, occuper les enfants pour celles qui ont les enfants. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à Laure qui va démarrer cette e-conférence. Laure, je t'en prie, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et bienvenue dans cette belle initiative qu'a eue Cécile Michel. Donc, je suis la rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques. Vous voyez, je suis maquillée, habillée. Ça, c'est vraiment la première règle pour conserver l'estime de soi. On ne reste pas en pilou-pilou toute la journée. Si le physique il se dégrade, il y a tout qui va partir en cacahuète. C'est important, ça. Deuxième chose, le temps que vous avez là, vous l'aurez peut-être jamais plus. C'est inespéré. Et la grande excuse qu'on a tout au long de l'année, non, j'ai pas le temps, je peux pas, si j'avais le temps, ouais, mais il y a d'autres priorités, là, non. Il n'y a plus d'excuses. Le temps, vous l'avez. C'est le moment pour faire ce fameux plan marketing, pour étudier tout ce qui se fait, tout ce qui vous permettrait de vous différencier. C'est vraiment l'occasion ou jamais de vous poser et de prendre du recul par rapport à ce que vous faites. N'oubliez pas, quand vos clientes, elles vont revenir chez vous après ce confinement, il y aura les ongles, les poils, les cils, les boutons, les bourrelets, tout ça, ça sera revenu, ça sera parti en cacahuète. Et elles vont courir chez vous. À vous de les accueillir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire pas avec des promotions. Surtout pas. Surtout pas les promotions. Vous perdez tout ce que vous voulez avec les promotions. Tout ce que vous voulez. Donc ça, les autres experts qui vont vous expliquer comment faire judicieusement pour profiter de ça pour vos clientèles, vos clientes sur le très long terme et leur proposer une offre pertinente. Nous, aux Nouvelles Esthétiques, ce qu'on vous propose, tous les jours, il y a un article qui est mis en avant gratuitement. Ça s'appelle « Un jour, un article ». Et là, c'était pas
prévu, c'était pas organisé comme ça, mais voilà, ça s'est fait. L'article du jour, c'est un article de Cécile Michel. Quelle technologie? Alors, c'est tombé par hasard. Quelle technologie est la plus pertinente pour vous? Voilà, et vous trouverez également le numéro de Mars qui est en libre accès. Voilà, c'est vraiment le moment pour vous de faire un tour d'horizon de tout ce qui existe sur le marché pour savoir comment vous vous positionner et faire la différence. Ce n'est pas des jours agréables, mais il faut savoir en tirer parti. Si on commence à se morfondre, c'est foutu, quoi. Autant mettre la clé sous la porte tout de suite. Sauf que vos clientes, quand ce sera terminé, elles auront vraiment, vraiment besoin de vous. Parce qu'elles voudront se retrouver comme avant, avec leur esthéticienne bien épilée, le palpé roulé qui est fait, le soin visage, tout. Pour que toute cette période, finalement, ce ne soit plus qu'un mauvais rêve, qu'un vilain cauchemar qu'on veut vite oublier et passer à autre chose. À vous de transformer l'essai. Voilà, merci. Cécile, à toi. Merci, Laure, en tout cas, pour ton intervention. Vraiment, ça nous fait plaisir de voir que les nouvelles esthétiques sont là pour soutenir la profession, pour soutenir les esthéticiennes. Encore une fois, vous êtes là, vous répondez très vite. Laure, je l'ai appelée ce matin, voilà, elle a trouvé le créneau pour nous faire un petit mot. Donc, merci beaucoup à toi qui représente le magazine. On est super content aussi d'avoir le catalogue du mois de mars, le magazine du mois de mars, et puis tous ces articles qu'on va pouvoir voir et enfin prendre le temps de lire correctement, d'apprendre et d'approfondir et de découvrir. Donc, merci beaucoup, Laure, de ta présence parmi nous. On t'embrasse. Avec plaisir. On te laisse repartir au boulot, on sait que tu en as beaucoup. On te fait des gros bisous et puis on se dit à plus tard. J'en profite pour vous signaler que cette conférence, on va vous préparer un livret digital. Donc, vous aurez à la suite de cette conférence, dans les 1, 2, 3 jours, le temps de le mettre en place, un lien que vous pourrez télécharger et vous aurez un livret digital qui va reprendre les informations qu'on vous aura données ici, avec les astuces, les conseils, les liens, etc. Donc, vous aurez un livret digital qui est gratuit. Donc, pour y accéder, on prendra vos mails que vous avez utilisés pour vous inscrire. Si vous ne le recevez pas d'ici lundi, mardi, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous envoyer le lien. Vous aurez les contacts de tout le monde et vous aurez les astuces, les conseils, les informations de tous les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, c'était pour la parenthèse. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Licot, qui est expert comptable commissaire aux comptes pour Pyramide Conseil. Si vous avez des questions, le chat, il est fait pour. On prendra le temps de répondre à vos questions. Monsieur Licot, merci de votre présence. C'est à vous, je vous laisse la parole. Alors, je suppose que tout le monde est dans une situation un peu compliquée par rapport à son entreprise, suite à l'arrêt de l'activité depuis lundi, on va dire. Il y a plusieurs mesures qui doivent être prises pour essayer de sauvegarder l'entreprise. La première, bien sûr, c'est au moment de l'arrêt de travail, s'il y a des salariés, il a fallu les mettre en chômage partiel. Donc là, les dossiers doivent être faits dans les jours qui viennent s'ils ne sont pas encore faits. Pour vous, on n'a pas d'inquiétude sur la prise en charge par l'État du chômage partiel, puisque les établissements sont fermés. On a aujourd'hui beaucoup plus d'inquiétude pour les entreprises dont l'État n'a pas demandé officiellement la fermeture, tels que les garages, par exemple, ou les carrosseries, où là, on n'est pas certain que le chômage partiel sera accepté, même si, à ce jour, il est difficile pour ces établissements de travailler, puisque les clients ne peuvent plus venir. Donc, pour vous, s'il y a des salariés, le chômage partiel, les dossiers doivent être mis en place rapidement. On a aussi des possibilités d'arrêt de travail qu'on va appeler coronavirus pour les personnes qui doivent garder leurs enfants à la maison puisqu'ils n'ont plus de possibilité d'aller à l'école. J'allais dire, il y a un choix qui doit être fait entre les deux parfois. J'allais dire que si on se place du côté entreprise, il est plus intéressant de faire du chômage partiel. Pourquoi ? Parce que l'État
a dit qu'il prendrait en charge 100% des coûts pour les entreprises. Et donc, un salarié en chômage partiel ne coûterait rien à l'entreprise. En revanche, pour le salarié, il peut en être un petit peu différent. Les choses sont un petit peu différentes puisqu'ils n'ont pas dit non plus que le salarié aurait un maintien de salaire. Un salarié qui est en chômage partiel est indemnisé à hauteur de 84% de son salaire net, donc il perd 16% de son salaire sur une base 35 heures. Ça veut dire que s'ils ont une base de travail qui est supérieure à 35 heures, à 39 heures par exemple, ils vont perdre 16% plus les 4 heures par semaine qui ne seront pas rémunérées. Donc parfois, ça peut être assez pénalisant pour le salarié. Alors que s'il est en arrêt de travail, alors après, tout dépend de son ancienneté dans l'entreprise aussi. Mais on a quand même un mécanisme, s'il a plus d'un an d'ancienneté, de maintien de son salaire pendant 30 jours. Après, c'est l'entreprise qui va maintenir, puisqu'il y aura des remboursements sécurité sociale à hauteur de 50% du salaire, et ensuite un maintien de salaire à faire par l'entreprise. Donc pour l'entreprise, je dirais que si le chômage partiel est possible, autant aller vers le chômage partiel. Du côté du salarié, il en est un petit peu différemment, mais aujourd'hui, on est d'abord là pour essayer de préserver vos entreprises. Alors, Monsieur Lico, juste deux, trois petites premières questions pour ne pas en oublier. Au niveau de l'indemnisation sur le chômage partiel, on est d'accord que c'est 84% du salaire net. C'est ça. C'est 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Pourquoi une différence entre ces pourcentages? C'est tout simplement qu'il y a des charges sociales salariales qui ne sont pas applicables en cas de chômage partiel. Est-ce que pour les auto-entrepreneurs, là, elles sont du coup considérées comment par rapport à ça? Est-ce qu'elles sont dans un cadre salarié ou elles sont dans le cadre du coup gérante? Et là, on parlera du fonds de solidarité après. Elles sont dans le cadre des gérants, de dirigeants. Tous les dirigeants, j'allais dire, quel que soit leur statut, ne cotisent pas au Pôle emploi et donc on parlera au mécanisme du chômage partiel. D'accord. Si un salarié est en arrêt de travail pendant 14 jours, est-ce qu'il peut être au chômage partiel après? J'imagine que oui, si du coup les événements et le confinement continuent, évidemment. On a mis le lien pour la déclaration. Ça prend du temps, vous n'aurez pas forcément un accusé de réception, donc vous remplissez, et puis temps que ça se mette en place, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Ok, je vous laisse continuer, je crois que vous abordiez le fonds de solidarité peut-être pour les gérants. Juste pour finir sur le dossier, effectivement, il faut faire un dossier, normalement on a une réponse dans les 48 heures, mais vu le nombre de dossiers, les 48 heures sont largement dépassées. Il ne faut pas s'inquiéter, on a jusqu'à 30 jours pour faire le dossier. D'accord. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Sur le fonds de solidarité, là c'est un petit peu différent. Ce fonds de solidarité, ce n'est pas lié au coronavirus. Il existe déjà pour les charges sociales. Pour les charges sociales que doit payer le dirigeant TNS. Depuis des années, et elle peut être mise en place uniquement en cas de difficulté pour payer ses charges. Ça ne va pas permettre à un dirigeant d'avoir une rémunération. Aujourd'hui, la seule chose qui est promise, mais on n'a pas encore décrit là-dessus, ça serait une indemnité qui serait versée au dirigeant à hauteur de 1 500 euros par mois. Pour les entreprises qui font moins d'un million de chiffre d'affaires, donc ça va concerner quand même pas mal d'instituts. Voilà. En cas de perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Donc là, ça pose quand même un petit problème parce que les entreprises ont été à peu près arrêtées au milieu du mois. Si j'ai fait un chiffre d'affaires normal sur les 15 premiers jours, en théorie, je vais perdre à peu près 50% de mon chiffre. Et dans ce cas-là, je pourrais ne pas être éligible à cette aide. Aujourd'hui, elle pourra s'appliquer qu'à partir du 31 mars. On ne pourra remplir un dossier, la DGFIP, qu'à partir du 31 mars. Mais on n'a pas plus d'informations sur la réalité, enfin, sur les modalités de cette aide. Voilà ce qu'on sait à ce jour.
Oui, malheureusement, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Oui, alors voilà. Couper. Si on peut couper quoi? L'arrêt de travail et en même temps l'indemnité de 500 euros. Couplé. Ah, ça veut dire prenant plus qu'on peut l'arrêt coupler... de travail et les 500 euros. Je dirais que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que justement, on ne sait pas encore quelles vont être les modalités. Est-ce qu'effectivement, je peux être en arrêt de travail et considérer que je suis éligible quand même à cette aide? Je vous dirais peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas à ce jour. Alors, on n'a pas plus d'informations. Au jour d'aujourd'hui, on pourra demander le fonds de solidarité à partir du 31 mars, pas avant, et on ne sait pas si le fait d'avoir eu une fermeture sanitaire est un critère suffisant pour toucher les 1 500 euros. On ne peut pas répondre pour l'instant parce qu'on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Mais la vérité, on fait la demande quand même, on est d'accord. Le 31 mars, on fait la demande. Peut-être qu'on aura eu des informations d'ici le 31 mars parce que c'est dans 10 jours. Il faut espérer. Il faut espérer. Et pour celles qui ont démarré constamment. Pour celles qui ont démarré, du coup, après, mettons au mois de septembre de l'année dernière, il n'y aura aucune aide, ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de chiffre en mois de mars de l'année c'est dernière. C'est au cas par cas. Moi, j'ai regardé sur le site. Je pense que Monsieur Lico peut-être pourra confirmer, mais il y aura beaucoup de cas par cas. Ils vont faire une moyenne du chiffre d'affaires. Et il faudra faire une demande. D'accord. Oui, okay. C'est ça. Ouais. Voilà, après, c'est des stats nationales, une esthéticienne fait tant de chiffres d'affaires mensuels. Après, on part de ce principe-là. C'est une déclaration à faire. Qu'est-ce qu'il va falloir amener comme élément pour le prouver? Est-ce que c'est une déclaration sur l'honneur, comme quand on veut prendre notre voiture pour circuler? On ne sait même pas encore ce qui va être demandé comme document, comme papier. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Oui. Pour tous les dirigeants, que ce soit des dirigeants salariés ou des dirigeants TNS, la question reste la même. Qu'est-ce que je vais percevoir comme indemnité? Et aujourd'hui, on ne sait pas plus que cette annonce un peu générique, mais dans le détail, on ne sait pas comment elle va s'appliquer. Alors, esthéticienne à domicile, c'est de toute façon... des auto-entrepreneurs ou même en URL, mais c'est souvent des auto-entrepreneurs, ça reste des gérantes, donc là, c'est exactement ce qu'on vient de dire, ça les concerne. Oui. Même combat. Oui. D'accord. Après, je pense qu'au niveau des entreprises, si on termine sur ce volet, il faut aussi penser à d'autres points pour sauvegarder l'entreprise. Le premier, c'est que l'entreprise peut avoir des endettements, des crédits beaux. Là, il faut très rapidement se rapprocher des banques. Les banques vont avoir des garanties par la BPI pour aider les entreprises. Donc, il est important dès à présent de solliciter sa banque pour demander un moratoire des crédits et leur dire, voilà, moi, pendant 6 mois, c'est à peu près le consensus qu'on a actuellement, pendant 6 mois, je voudrais ne pas payer mes prêts. Ça va soit rallonger la durée de mon prêt, soit augmenter mes mensualités. On ne sait pas encore. Je pense qu'on aura le choix possible. Aujourd'hui, les banques sont assez ouvertes à ce principe-là. On peut également demander des prêts de trésorerie pour essayer de passer le cap difficile en termes de trésorerie et également demander des autorisations de découvert qui vont être là aussi garanties par la BPI. Donc tout ça, c'est important de se rapprocher assez rapidement de ces organismes bancaires pour figer tout ça avant de se retrouver dans des difficultés en termes de trésorerie. On a aussi la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui aujourd'hui accorde des prêts pour des durées de 3 à 5 ans de trésorerie assez facilement sur leur site. On peut remplir un dossier en ligne pour essayer d'obtenir des prêts. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques retours des banques et de la BPI.
c'est toujours simple dans le principe. Quand on commence à avoir les retours, on nous demande quand même quelques éléments. Parfois des prévisionnels de trésorerie, parfois une projection sur l'année qui vient. Je pense que là, faut pas hésiter non plus à les recadrer un petit peu, parce que aujourd'hui, se projeter sur ce qu'on va faire en avril ou en mai, c'est de la boule de cristal. Hein. On ne sait pas comment on va reprendre notre activité. Voilà. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont instaurées. Les banques ont des garanties, donc ne doivent pas vous demander des garanties personnelles pour cautionner ces prêts éventuels. D'accord ? Il y a également un point qui a été évoqué et qui là est un petit peu plus compliqué, c'est les loyers. Peut-on arrêter de payer ses loyers pendant combien de temps et selon quelle modalité? Parce que ça fait partie de l'annonce qu'a fait notre président. Par contre, sur le reste, il maîtrise, parce que c'est lui qui choisit de dire je donne une aide ou je la donne pas. Autant sur les loyers, il fait une promesse qu'il ne maîtrise pas puisqu'elle dépend de la volonté d'un propriétaire. On peut dire qu'on a deux cas de figure. On a quand même le cas de figure qui se pose actuellement pour des établissements qui sont fermés comme les vôtres, qui est de dire est-ce qu'on n'est pas dans un cas de force majeure qui peut éventuellement justifier que j'arrête de payer mes loyers. Là-dessus, j'allais dire qu'il y a pas mal de discussions, c'est pas encore tranché. Mais si on n'est pas dans ce cas de force majeure, on est simplement dans un droit des contrats, et là, on doit trouver un accord avec un propriétaire pour essayer de trouver un principe. Est-ce qu'on décale des loyers? Sur combien de temps? Est-ce qu'on annule certains loyers? Mais là, on est vraiment dans la négociation avec un propriétaire et un locataire et au bon vouloir du propriétaire. Donc aujourd'hui, on ira peut-être vers ce cas de force majeure, c'est possible, c'est pas certain. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de se rapprocher du propriétaire pour essayer de trouver déjà un accord avec lui sur l'arrêt du paiement des loyers actuels. Parce qu'il faut bien se dire, il ne faut pas se mettre à la faute non plus. Ne pas payer son loyer, c'est aujourd'hui un des critères qui fait que le bail peut être rompu. Le bail commercial que l'on a est un bail qui est très protecteur pour le locataire, puisqu'on ne peut pas le mettre dehors. Il est très très protecteur pour le locataire. En contrepartie, il a une obligation qui est très forte. C'est celle de payer ses loyers. S'il ne paye pas ses loyers, il se met à la faute, il peut être expulsé assez rapidement. Donc aujourd'hui, sur le sujet-là, il faut quand même être prudent pour ne pas se mettre à la faute. Donc j'ai tendance à dire, voilà, rapprochez-vous de votre propriétaire, essayez de voir s'il est de bonne volonté, s'il est compréhensif. Puis le propriétaire, il a peut-être aussi des démarches à faire de son côté, parce qu'il a peut-être des endettements aussi sur ses bâtiments. Essayer de trouver un accord à l'amiable tant que c'est possible. Si rien ne peut se faire, eh bien, il va falloir attendre de savoir si on va pouvoir se retrouver dans un cas de force majeure ou pas. Voilà. Alors, pour rapport aux solutions que vous avez évoquées, il y avait peut-être des questions sur les assurances. Alors, est-ce que vous avez des infos sur l'assurance? Moi, j'ai appelé la mienne d'assurance RC Pro, Home Clé, les garanties, tout ça. Moi, j'ai appelé et au jour d'aujourd'hui, épidémie, pandémie, voilà, c'est pas considéré comme une raison pour prendre en charge justement les loyers, etc., etc. Et la personne que j'ai au téléphone a bien spécifié que pour le moment, sauf si changement, mais pour le moment, en tout cas, les assurances pro ne couvriront pas les loyers et la perte d'exploitation. Je suis d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, les assurances vont se considérer comme incompétentes et vont dire que ça dépend, c'est une question de responsabilité de l'État. Là. Mais par contre, le président leur a demandé et donc, de faire. Je pense qu'il ne faut rien attendre en matière de perte d'exploitation. Ah, Aurore, tu disais. Excusez-moi, j'ai pas compris.
Non, non, le président leur a demandé de faire un effort, mais après, vous m'entendez ou pas? Non. Oui, oui, on t'entend. Ah, super. Oui, oui. Donc, le président leur a demandé de faire un effort, mais après, ils vont un peu s'envoyer la balle, quoi. Mais le truc aujourd'hui, comment les femmes, les gérantes qui nous regardent peuvent tout de suite se mettre à l'abri? Parce que là, il y avait des questions, c'est en gros, elles enlèvent tous les prélèvements, elles rejettent tous les prélèvements. Ça, c'est totalement possible, mais il y a des frais bancaires, hein, ça c'est sûr. La banque, elle vous fait des frais, que ça, vous bougez ou bougez pas, toute merde, il va avoir des frais. Mais comment, c'est quoi la solution en fait, là, tout de suite pour les mettre à l'abri? Non. Alors aujourd'hui, pour finir sur le sujet de l'assurance, effectivement, le président leur a demandé de faire un effort. Effectivement, on peut considérer aussi que si l'activité est arrêtée en termes de sinistralité, ils n'auront plus grand-chose, puisqu'il n'y a plus d'activité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on prend nos contrats, on ne va pas trouver de solution. Donc il faut attendre là aussi, de savoir comment ils se positionnent. Après, pour garantir des revenus, et je comprends bien que c'est le cœur du problème pour chacun et chacune, c'est, j'ai pas de solution miracle. C'est qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, c'est le risque du dirigeant, j'allais dire. Il n'a pas de couverture chômage. Et aujourd'hui, il n'a pas de couverture chômage partiel. On a cette aide de 1 500 euros qu'ils évoquent. On a des possibilités d'obtenir des prêts de trésorerie pour essayer de passer le cap. Mais des aides à proprement parler pour dire, ben voilà, les dirigeants, on va à minima leur apporter tel revenu. Eh bien, à ce jour, malheureusement, je peux vous donner aucune réponse. Voilà. Alors, s'il y a des aides pour les propriétaires et les bailleurs, du coup, si l'État compense la perte des bailleurs, des propriétaires, du coup, nous, on aura cette option, justement, de pas payer le loyer mi-mars, peut-être 15 jours, parce qu'il faut être sérieux. Si vous avez bossé les 15 premiers jours de mars, vous devez minimum la moitié de votre mois de mars. Hein, il faut jouer le jeu dans les deux sens. Si les bailleurs, les propriétaires ont des aides de l'État par rapport à des loyers qui sont pas payés, à ce moment-là, on aura le droit, entre guillemets, de ne pas payer le loyer. Mais pour l'instant, c'est des points sur lesquels ça va pas statuer. Et donc, du coup, on suivra les évolutions jour après jour, quitte à refaire une conférence quand on en sera un petit peu plus. Mais voilà, peut-être que l'idée, c'est de mettre votre loyer sur un compte à gauche, hein, de le mettre quelque part, de le préserver, et puis d'avertir votre propriétaire, votre bailleur, que la moitié du mois de mars, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous, que vous attendez de voir ce qui se passe, que vous avez là donc une perte d'exploitation, et que ce loyer-là, c'est pas que vous ne voulez pas le payer, c'est que vous ne pouvez pas le payer, mais essayez de mettre de cette somme sur un compte à part pour montrer votre bonne foi, et en attendant que ça se décante, en attendant d'avoir peut-être d'autres aides, en attendant d'avoir des prêts, etc. Voilà, en effet, vous faire attention de pas se tirer une balle dans le pied en tout arrêtant, parce que quand ça va devoir tomber et qu'il va falloir tout payer, vous allez vous sentir submergé et du coup, vous allez être très stressé, angoissé à ce moment-là. Donc, essayez de répartir et de lisser les sorties. Oui, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de… Comme il n'y a plus de recettes, il faut essayer de stopper toutes les dépenses de l'entreprise. Ça, finalement, en gelant les prêts, en mettant ses salariés au chômage technique, en essayant de trouver un accord avec le propriétaire et en écrivant éventuellement pour l'EDF et puis l'eau pour stopper les prélèvements, on ne va plus avoir grand-chose en frais de fonctionnement, heureusement. Il n'empêche que ça ne résout pas le problème personnel de comment je vis. Il faudra, je pense qu'on demande beaucoup d'efforts de la part de l'État, de nos propriétaires, de nos bailleurs, de nos fournisseurs. Il ne faut pas s'oublier non plus. C'est-à-dire que nous aussi, on doit faire des efforts parce que tout le monde va en donner. Donc, on ne peut pas toujours attendre
que les autres fassent des efforts et pas nous. Donc nous aussi, il va falloir évidemment qu'on fasse des efforts. Voilà. Et en tout cas, on va vous proposer des solutions maintenant aussi pour mettre en place justement des solutions, des offres, des choses pour le marketing et la communication. Est-ce que Monsieur Lico, vous avez autre chose à nous apporter? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voyais autrement en lisant les conversations qu'il y a une question qui était posée par rapport au loyer personnel. Aujourd'hui, bien sûr, on parle des loyers commerciaux. Hein. Au niveau des loyers des personnes physiques, à ce jour, à ma connaissance, pas d'informations spécifiques. Et les annonces qui ont été faites concernent bien le loyer des entreprises. Hein. Payer son loyer personnel. Mélangez pas. Hein. Il faut payer votre loyer personnel. On parle des loyers entreprises, hein, des baux commerciaux. Bien sûr. Ok. Tout à fait. Donc voilà les mesures de mise en sécurité de l'entreprise qui doivent être prises dès à présent. On sait que normalement les commerces sont fermés jusqu'au 15 avril. Et espérons pas plus loin, mais le minimum sera jusqu'au 15 avril, donc ça veut dire qu'il faut tenir un mois sans recette, et c'est pour ça que dès à présent il faut essayer d'aller voir pour avoir des prêts de trésorerie avec sa banque. Après on le sait tous, après il faut le rembourser. Donc effectivement, les mois qui viennent. Alors, à savoir quand même que là, Monsieur Lico nous a apporté quand même pas mal de solutions. On sait qu'il y a des aides pour du coup limiter la casse. Il faut savoir que vous pouvez aussi remplir un dossier pour pas demander le report, mais pour demander l'annulation de certaines des charges si vous êtes en grosse difficulté. Et vous aurez sur le livret du coup digital le lien et les formulaires. Ça existait déjà avant le coronavirus. Dans le cas de grosses difficultés, on peut demander carrément une partie ou la totalité de l'annulation de certaines charges. Je pense que Monsieur Lico peut confirmer. Je suis d'accord. Alors souvent quand même, il faut. Ça sera sans doute un peu tôt pour faire les dossiers. Alors on va voir comment les choses se passent, mais normalement il fallait déjà avoir plusieurs mois de retard sur les charges sociales pour essayer d'aller voir ce fonds de solidarité. Parce que si j'arrive avec le mois de, l'échéance du 15 mars a déjà été décalée et reportée sur le trimestre suivant. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres arriérés, à mon avis, c'est trop tôt pour aller voir ce fonds de solidarité. Et il faut attendre d'avoir éventuellement des échéances en retard pour aller les rencontrer. Mais c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Il faut pouvoir justifier. Oui, il y a des conditions, mais par contre, ils en parlent. C'est-à-dire que sur le site du gouvernement, ils ont bien marqué qu'en effet, il y avait des possibilités pour les entreprises en difficulté, mais certainement que c'est sous condition et que il faudra justifier peut-être de plusieurs mois de difficultés financières avec un arrêt des charges. Mais en tout cas, il y a cette solution-là, malheureusement, qui existe. Mon banquier que j'ai eu au téléphone m'expliquait que les prêts sont accordés aux instituts avec le fonds BPI, mais il m'expliquait aussi que si un institut se portait mal avant le coronavirus, c'est pas sûr que le prêt soit accordé parce que l'institut se portait déjà mal avant et que avec l'aide et la garantie BPI, peut-être que certains instituts ne pourront pas avoir ce prêt. Je préfère vous le dire parce que de façon à ce que vous puissiez aussi savoir ce qu'il est possible de faire ou non, mais peut-être que certains prêts seront quand même refusés pour certains instituts malgré la garantie BPI. Plus on était en difficulté effectivement avant, plus ça va être compliqué et plus il va falloir justifier de la perte d'exploitation. Et surtout, pourquoi ? Parce que si on était en difficulté avant, qu'on rajoute un emprunt, est-ce que je vais pas être encore plus en difficulté après, au moment où je dois rembourser cet emprunt ? Donc c'est pour ça que ça sera encore plus difficile et qu'il faudra être encore plus convaincu. Voilà.
Mais voilà, on va parler justement de comment être convaincante et quoi mettre en place. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Lico. Merci, c'était une très bonne intervention. On est ravis de vous avoir parmi nous. Merci encore. Et puis, on se recontacte, nous, un petit peu plus tard en différé. Merci D'accord. beaucoup. Allez, on applaudit, Monsieur Lico. Super, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, donc je vais maintenant et désormais passer la parole pour cette deuxième partie. Donc on a vu donc Laure hein, qui nous a fait notre ouverture de la conférence. Christophe Lico pour la partie compta. À savoir que dans le lien là, le livret digital que vous aurez, il y aura les formulaires, il y aura les liens pour accéder au site pour faire vos demandes. Voilà, tout sera indiqué. Vous aurez même des informations supplémentaires. Vous aurez même le formulaire BPI pour faire la demande de prêt qui se fera en ligne. Donc il faudra bien vérifier votre boîte de réception que vous recevez ce lien pour avoir accès à ce livret digital. Si vous n'avez pas eu le lien, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, vous aurez comme ça et ainsi toutes les informations d'aujourd'hui, voire même plus. Maintenant, je passe la parole à ST Power, ST Performante, représentée par Nelly et Aurore. Peut-être qu'avant, si vous me permettez, je pense que dans la continuité, j'ai Axel qui n'a pas fini son rendez-vous, Axel Chapuis, donc de couleur mandarine, qui va pas pouvoir se connecter, mais j'ai ses documents avec moi. Donc, je vais prendre la parole pour lui avant, parce que lui, il fait quelque chose un petit peu plus, je dirais, sur la forme, et vous serez plus dans le fond. Donc, voilà, je vais du coup faire l'intervention d'Axel. Alors, Axel, il mettait vraiment l'accent sur comment communiquer pendant cette période, donc propice à l'incertitude et au désordre. Il a bien marqué que nous devons être des sources de lumière, des sources lumineuses pour notre clientèle. Là, on est maintenant sur la partie B2C, c'est-à-dire entreprise en communication avec la clientèle. Vous, en tant qu'esthéticienne, vous devez être absolument une source de bienveillance, de lumière, de bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que vos angoisses, vos stress par rapport à demain, par rapport à vos métiers, par rapport à votre institut, vous devez les mettre de côté. Vous ne devez pas générer le stress et l'angoisse et la reporter sur votre clientèle. Vous devez rester une entité lumineuse, une entité qui va être source de bonnes nouvelles, de façon à ce que vous puissiez induire dans l'inconscient, hein, le subconscient de votre clientèle, que vous avez toujours été là avec le sourire, que vous êtes le soleil. Et comme ça, quand le confinement prendra fin, elles auront d'autant plus plaisir à revenir vers vous. Donc, il a vraiment très insisté là-dessus et je pense que Aurore et Nelly le feront aussi. Il faut que vous compreniez l'impact que ça a la psychologie donc de vos clients. Il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup d'émotions négatives. C'est pour ça qu'il va falloir prendre en compte déjà l'état émotionnel de vos clients et que vous ne surchargiez pas cet état émotionnel déjà difficile, certainement pour elles aussi. Donc, le déroulement pour nous esthéticiennes, Axel a mis deux phases. La première phase, c'est la montée, ne jamais dire et ne pas surenchérir les médias. Donc là, il invite vraiment les esthéticiennes à ne pas surenchérir et à ne pas partager ce qui est dit dans les médias. Je pense que les clients sont déjà sur leur télé, sur leur tablette, sur leur smartphone. Axel ! Bonjour. Ah, on est heureux. Merci. Ce qui est fou. T'es en ligne, on t'entend très bien. Alors, attendez, voilà, ça y est. Bonjour à toutes. Je ferme tout. Alors, donnez-moi quelques minutes. On va laisser la parole à Axel qui va du coup nous parler de la stratégie. Vas-y, Axel, c'est à toi. Je vais fermer quand même la porte parce que je suis chez moi, bien sûr, comme toutes et comme tous. Alors, attendez. Allez. Voilà. Parle-nous justement. Oui, bonjour. Bah, bonjour comment déjà communiquer, vas-y. Que je ne connais pas, que je découvre.
Donc Nelly, bonjour, Nelly et Aurore de esthéticienne performante Axel. Alors, c'est parti. Couleur alors, moi, génial. Oui, je suis intervenu parce que j'étais en conversation effectivement avec un client par Skype. Je lui dis bon, excusez-moi, faut vraiment que je me déplace pour intervenir, même si ça va super pas être très très long. Je vais parler effectivement comme tu as dit. Alors attendez, je vais quand même pousser tous les écrans pour que je vous ai. Voilà. Voilà, comment communiquer, bien sûr, pendant cette période propice à l'incertitude et au désordre. Donc, on peut penser aussi à un moment donné qu'on peut maintenir le même plan marketing et le même plan de communication avec ces mêmes objectifs, ce même calendrier d'action. Moi, je dirais aujourd'hui, pardon, que c'est une vraie bataille, pas forcément de produits ou de services. Mais c'est une guerre, si on prend les termes en fait de notre cher président, une guerre de perception. Dans le marketing, la perception, c'est la réalité. Donc le Covid-19, on va dire, agit, joue comme un filtre qui modifie tout simplement la perception de votre marché. Alors comment décrypter votre plan d'accélération? C'est déjà comment décrypter et comprendre l'impact psychologique qu'a le consommateur envers votre marché. Hein. Donc tant que le temps de l'inquiétude et de la peur reste présent, la logique émotionnelle sera forcément bloquée dessus. Hein. Le consommateur, nous-mêmes, on va se canaliser sur la source et la menace, la source de menace, pardon, et prioriser son intérêt avant l'intérêt de votre marché, de votre service, tout simplement. Prenons un petit exemple simple, on va pas penser aux vacances tout de suite. Pourquoi? Parce que on va générer... ça va générer des dépenses, combien de temps on va rester chez soi, et ainsi de suite. Donc, tous les offices de tourisme, tous les tour opérateurs vont pas forcément communiquer là-dessus. Pourquoi? Parce que tant que la menace sera là, elle va parasiter tout simplement nos envies. Donc, cette situation peut avoir forcément des conséquences en termes d'image, hein, forcément, de réputation aussi d'image, de fidélité et de confiance du client. Un ralentissement obligatoirement du chiffre d'affaires. Alors, je dis pas une perte, hein, c'est un ralentissement parce que ça va revenir. Hein. On sera peut-être... C'est reporté. Voilà, c'est reporté. Effectivement. Bien sûr, ça peut aussi avoir une conséquence avec la perte de confiance avec les partenaires, les fournisseurs. Est-ce qu'on va pouvoir les payer? Est-ce que, voilà, ça peut créer un peu de parasite, tout simplement. Il va falloir pour celles et ceux qui ont des collaborateurs ou des collaboratrices motiver les salariés. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur qui va arriver de la perte de l'emploi, un climat forcément tendu et forcément aussi les salariés vont être moins productifs dans cette période, voire plus du tout pour ceux qui font bien sûr du télétravail. S'ils peuvent le faire, bien sûr. Donc, la communication va être en deux temps. Hein. On va avoir un temps médiatique et puis on va avoir un temps de comment communiquer par rapport à ces médias, comment on va le faire. Donc, les médias vont avoir quatre phases hein, et nous, trois phases. Alors, vous allez comprendre pourquoi il y en a trois pour nous et quatre pour eux. Pourquoi? Parce que la première phase, c'est l'apparition des premier dysfonctionnement chez les médias. Donc, on fait une rétrospective rapide au mois de juillet, décembre, début janvier. On commence à comprendre qu'il y a une vendue comme ça. Donc, les médias commencent à relayer l'information, c'est leur job, mais ils vont pas alerter tout simplement parce qu'il faut pas enrhumer le marché et il faut pas changer. L'idée du consommateur, les choix du consommateur, les envies du consommateur. Donc, dans ce moment, on fait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'informations. Dans la phase numéro 2, qui va être pour nous la phase numéro 1, qui va être la crise aiguë, donc les médias commencent tout simplement à s'intéresser au dysfonctionnement du pays auquel où nous devons faire face, vous et moi, on doit faire face. Donc, nous, dans la communication, on est dans la montée. Donc, on doit jamais surenchérir sur les médias, c'est important. Vous n'êtes pas journaliste, moi-même, j'y suis pas. On n'est pas les papes de l'information non plus. Donc, l'information primera sur vous. C'est un temps, je dirais, d'observation et de compréhension.
ce sont les instances et l'information forcément qui fera masse à ce niveau-là. En troisième phase, en troisième période, on a les médias qui relaient toujours au grand public. Donc là, on est au pic des difficultés jusqu'à un autre sujet. Ils sont intéressés sur un autre sujet. Donc là, on est en phase 2. Chez nous, on est sur le plafond de verre. C'est là où vous intervenez, vous rassurez votre clientèle. Vous choisissez des sujets qui déroutent tout simplement l'attention de l'information anxiogène. En phase 3 et en phase 4 pour les médias, en phase 3 pour nous, en phase 4, c'est la cicatrisation, c'est le désintérêt tout simplement de la part des médias. Pourquoi ? Parce qu'il faut relancer l'économie on était trop chez nous tout simplement. Et donc cette descente chez nous, c'est à vos agendas. Il va falloir, comme disait Laure, il va falloir rassurer votre clientèle, il va falloir recevoir toutes les frustrations, l'envie de se changer les idées, les achats compulsifs. Bref, le soleil se lève pour vous. Alors attendez, j'ai des images qui arrivent de partout. Voilà, pardon, parce que je fais ça aussi en live. Voilà. La spontanéité, voilà, j'y suis aussi avec vous, je suis totalement dans la spontanéité. Donc il va falloir recevoir bien sûr toutes les frustrations, donc l'envie bien sûr de changer les idées des clients, le chiffre d'affaires qui va revenir, un soleil, ça va se lever tout simplement pour vous. Donc rappelez-vous que vous cultivez essentiellement le bien-être et la beauté. Vous êtes avant tout des commerces, dites des commerces de proximité. Donc vous avez une communication en premier lieu de bouche à oreille. La plupart de vos clients vont vous attendre sur ce terrain. On va dire que cette concentration va rester sur ce bouche à oreille. Il va falloir rassurer, redonner l'information et rééditer vos règles d'accueil. Donc, comment s'adapter ? Le marché, il est probablement ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps, on va avoir des points d'incidence visuels par rapport à la météo. On va voir, grosso modo, que le climat a changé. Donc, il y aura peut-être un impact sur nos vies, comment on doit consommer, le surachat, enfin, plein de choses. Vous allez décaler, bien sûr, vos campagnes. Vous allez réadapter votre discours. Donc, faites attention, bien sûr, du hors-sujet, des campagnes de mauvais goût. Calibrer, pour moi, c'est très important, calibrer la préoccupation dominante du moment. Vous pouvez le faire si, bien sûr, vous répondez légitimement à un besoin, bien sûr, sanitaire, moral ou comportemental, avec des effets, obligatoirement, des effets de rupture, des effets de levier, et des effets d'empathie. Donc, vous pouvez regarder vos tableaux de bord stratégiques, marketing et produits, analyser vos produits, vos services par rapport à l'évolution du marché et voir le taux de transformation de l'achat produit, de l'achat service. Donc, bien sûr, déplacer vos campagnes, soigner la relation, créer un plan de relance d'accélération. Alors, le plan de relance d'accélération, comme disait en fait Laure en amont, et je pense que les coachs vont parler suite après parce qu'elles vont vous aider dans cette action-là. Un plan d'accélération, c'est une offre à fort potentiel, tout simplement, qui augmente le nombre de clients. Chaque transaction et réduire l'écart de chacune d'elles. Que veut dire sur Charabia ? Ça veut dire que les clientes vont arriver avec la beauté de premier secours. Cette beauté de premier secours, alors je ne suis pas une femme, donc ça va être les poils, ça va être... Alors si, moi je vais aller me raser, promis, je vais aller voir mon barbershop, je vais aller me raser. Et, oui, participe, Axel. Oui, je vais participer aux commerçants, parce que ça ne va pas, il y a du laisser-aller. Il y a vraiment du laisser-aller. Ah, moi je suis pour que les hommes se mettent à l'épilation pour soutenir les individus. Et bon, on va faire ça, non. Et la totale, hein. Hors de question, on va quand même pas y aller. Non, c'est là où en fait les coachs, je pense que les Step Power peuvent intervenir par rapport à ces offres. Elles vont vous donner de l'oxygène, elles vont vous donner en fait des idées, elles vont travailler avec vous.
Ça, c'est très, très important. C'est d'être soutenu dans cette période-là. Nous, en tant qu'agence de communication et agence de publicité, on va transformer leur message. On va vous insuffler aussi des idées. Mais c'est vrai que dans cette période-là, il faut être accompagné. Hein. C'est très, 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 très important pour tout simplement passer le cap. Et c'est par ce tableau de bord de stratégie, produit, marketing et RH pour certaines choses qui seront, ça sera bien utilisé. Alors les règles d'or, bien sûr, c'est d'anticiper, hein, tout simplement, hein, ça vous le savez, cibler les bonnes personnes, hein, et bien communiquer, établir un bon plan de communication de dialogue et utiliser bien sûr tous les réseaux qui sont disponibles pour vous. Hein. Et je voudrais terminer pour résumer tout et puis après je vais vous laisser parce que je vais retourner aussi. Adapter vous constamment à l'état d'esprit hein, dominant de votre marché, c'est important. Décaler vos campagnes marketing suivant l'actualité que vous allez avoir. Hein, le consommateur hein, doit refléter une bonne relation, c'est une relation populaire que vous devez avoir par rapport à la communication dominante du moment. Et puis, bien sûr, définissez dès à présent votre plan de retour avec vos coachs, avec vos agences. Et puis un mot de la fin, parce qu'il faut terminer, et puis je vais vous laisser. Gérer la crise, ne la subissez pas. Voilà. Ah, c'est beau. Voilà, c'est ça, beau. C'était voilà. Le mot. Voilà. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Alors, pour résumer, en effet, c'est très important ce qu'il vous a dit, Axel. Il faut que vous anticipiez. Ne soyez pas victime. C'est bon, vous avez eu 3-4 jours pour vous plaindre, pour être dégoûté, pour être blasé de la vie. Ça suffit. Maintenant, on est le 20 mars, on y va. On remonte les manches. Vous voyez, moi, je les ai remontées déjà jusqu'aux épaules. On y va, c'est parti. On tape dans le dur parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vous imaginez pas, vous allez avoir du boulot pour la reprise. Soyez dans la stratégie. Mettez-vous en mode schlack, femme d'entreprise, chef d'entreprise, pas esthéticienne, mais chef d'entreprise, parce que c'est le moment qu'il faut être chef d'entreprise. Il faut anticiper, il faut mettre le plan de stratégie et faire de la communication en fonction des actualités en cours. Envoyez du soleil et petit à petit, en fonction de ce qui va se passer, vous allez adapter votre communication et votre marketing. Vous aurez des infos, vous aurez des astuces, vous aurez des conseils sur le livret digital, sur le lien. Axel nous prépare des petites choses que vous aurez dans le livret. Axel, merci d'avoir été présent. Merci à vous. Bon courage, plein de bonnes choses, plein de positifs. Faut être positif. Vous avez des super coachs derrière vous là. Je pense qu'elles vont vous donner. Elles sont au top. Et Axel, oui. Tu prends rendez-vous avec ton esthéticienne hein, pour l'épilation. N'oublie pas. C'est tout. Pas plus, pas moins. Bon, allez, je vais. Tu sais quoi, tu nous feras un live quand tu feras épiler les mi-jambes. Je vais mettre des petites stories, suivez les petites stories de couleur mandarine. Aujourd'hui, c'était un petit avec peu. Plaisir. Aujourd'hui, c'était un petit peu voyage. Demain, ça va fighter. Je vous dis que ça. Allez. Ça fighter. Allez. Bon courage à vous. Et bisous. Puis, génial. À bientôt. Bye. À bientôt. Ciao. Donc, j'ai squeezé Jérôme, il va se reconnecter. Allez, maintenant, c'est Aurore et Nelly, nos coachs de esthéticiennes performantes qui vont du coup nous donner maintenant des armes pour livrer bataille parce que oui, c'est la guerre et nous, on est des guerrières parce que quand on est une femme, on est déjà de naissance et dans l'ADN des guerrières. On sait tout faire, les filles. Pourquoi vous doutez de vous? On est des nanas. À partir de là, par définition, on est des guerrières, on sait tout faire. Donc non, on se laissera pas faire. On va remonter la pente et on va même la remonter encore mieux. Et pour ça, vous avez donc Nelly et Aurore. Je veux un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais poser d'abord une question pour savoir déjà le mental, là, parce que tu les as bien remontés à bloc, mais juste savoir sur 10. Voilà, sur 10, fond, elles sont comment ? Parce que ce chiffre, on va le faire doubler déjà. Allez les filles, à vos claviers. Dites-nous juste, voilà, sur 10. À vos claviers. Allez, un petit mot, une petite phrase. 10, c'est une super idée. Allez, 0 sur 10. Et vous avez le droit. Un chiffre. 0, vous avez le droit de dire 1. Vous avez le droit de dire, parce que vous pouvez être impacté. Il y a des personnes peut-être évidemment. Mortes autour de... Voilà, je vais éviter le sujet, mais voilà. Moi, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, c'est vrai que c'est chaud parce qu'en fait, moi, je me suis fait le contre-choc après. Ah ouais, elles sont déjà à 10. Je me suis dit, c'est chaud et tout. Et en fait, je me suis dit, mais là, c'est le moment d'impacter l'histoire. On peut clairement faire la différence et impacter l'histoire. Ça veut dire quoi ? Vous m'entendez, hein ? Oui ?
Ouais, vous m'entendez. On t'entend super bien. Ouais, Jérôme, excuse-moi, je t'ai squeezé. On continue juste. C'est ouais, un moment avec ma fille de 8 mois, 9 mois, et j'ai envie de lui raconter dans un an, deux ans, trois ans, enfin, quand elle comprendra, lui dire, écoute, moi, j'étais positive, j'ai relancé, j'ai influencé pour que ça crée des fréquences hautes et qu'on y aille et qu'on se batte. Et Mandarine et Cécile ont totalement raison. Il faut faire la différence, mais plus que ça, c'est OK, il y a le business, OK, vous êtes chef d'entreprise, OK, vous êtes esthéticienne, mais vous êtes des humaines et vous pouvez apporter du bien-être, même face à un écran. Alors, il va falloir vous impacter et vous mettre vraiment dans le rôle d'un influenceuse. Est-ce que vous êtes prête pour ça? Parce qu'il va falloir préparer. Ok. Évidemment. Alors, première chose, juste pour savoir le ton, est-ce que vous êtes organisée au quotidien? Est-ce que vous avez fait votre liste des do-it à réaliser? Est-ce que vous dites le matin, je vais travailler, l'après-midi, c'est mon mari qui va garder les enfants ou peu importe. Est-ce que vous êtes organisée? Il y a ça. Au niveau personnel, il y a autre chose et Cécile, elle en parle très, très bien. Elle dit, est-ce que là, j'ai envie de faire la différence? Est-ce que j'ai envie de prévoir mes projets à un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans et impacter et changer, voir mon expertise? Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Quelle experte vous voulez être? Quel concept vous voulez adapter? Est-ce que c'est le moment de revoir votre carte de soins, votre rentabilité? Est-ce que le contact avec vos enfants vont changer la donne? C'est le moment de créer. Nelly? Oui, alors en fait, moi j'ai analysé un petit peu... Tu m'entends? Oui. Et Nelly, elle entend? Tu n'entends pas Nelly? Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi j'ai analysé un petit peu la situation. Oui, je t'entends. T'entends Nelly? Oui. Vas-y, parle, excuse-moi. Il y a eu un grand moment de flottement. Elle l'a mis dans les deux sens. Oh, parce que je sais jamais comment ça, je suis dyslexique. Il y a eu un très grand moment de flottement où on n'y croyait pas, on disait oui, c'est juste du tapage médiatique tout ça, et on continue, il n'y a pas de souci, etc. Et nous les premières, puisqu'on voulait continuer à faire Estée Power et tout ça. Et à un moment donné, en fait, on a eu une prise de conscience. Quand il y a eu le jeudi soir dernier l'allocution du président de la République, on s'est dit « Ah ouais, quand même, c'est hyper sérieux, c'est hyper grave. » Donc là, il y a eu la prise de conscience. Ensuite, on a accusé le coup. Et ensuite, je pense qu'il y en a un paquet. Dites-nous dans le chat combien ont pleuré, combien ont pris des bouteilles de vin pour pour accuser le coup. Non, mais la vodka, de vin ou de vodka ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il fallait accuser le coup. Donc ça, j'espère que cette phase-là pour vous est passée. Et d'après les chiffres que j'ai vus dans le chat, ça a l'air d'être le cas. Puisque vous êtes en moyenne autour de 7-8, donc c'est plutôt bien. Ensuite, l'étape dans laquelle vous devez être là aujourd'hui, c'est l'étape de la proactivité. Comme Cécile l'a dit, vous êtes des chefs d'entreprise, vous n'avez pas le droit en fait de vous morfondre. Au contraire, là, vous avez une formidable opportunité de pouvoir prendre enfin soin de vous, de pouvoir passer du temps avec vos enfants, avec votre mari. Alors, il y en a qui redécouvrent la vie de couple, je pense, et la vie avec les enfants. C'est très challengeant on est obligé de redéfinir sa vie là pendant cette période de confinement, et c'est juste génial parce que avec toute cette folie, on va toujours on est toujours pressé, on n'a jamais le temps, donc c'est juste génial de pouvoir profiter de ce temps. Bien sûr, il faut le faire intelligemment. Donc
pendant un temps, vous allez traiter tous les papiers, parce que c'est la première des priorités, traiter tout ce qui est financier, les papiers, etc. Et une fois que vous aurez traité tout cet aspect administratif, que vous serez un petit peu reposé, et je vous propose vraiment de lâcher un peu mentalement, lâcher l'affaire en fait, hein, pendant quelques jours en tout cas, pour pouvoir mieux redémarrer. Alors, il va y avoir trois étapes. Première étape, c'est l'étape du confinement. Ensuite, il y aura l'étape, toujours pendant le confinement, mais juste les quelques jours avant de redémarrer l'activité. Et ensuite, il y aura l'étape après. Donc, on va vous donner des conseils vraiment pour chacune de ces trois étapes. Donc là, actuellement, vous êtes en plein confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens sont tous devant leurs écrans. Ils sont beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, éventuellement devant la télé, Netflix, etc. mais en tout cas, il y en a, je peux vous dire, il y en a un paquet sur YouTube, il y en a un paquet sur Instagram, sur Facebook, ça fuse. En ce moment, c'est juste énorme. Donc, c'est une formidable opportunité pour vous de devenir des e-influenceuses, c'est-à-dire de mettre à profit ce temps pour apporter des conseils de beauté, de bien-être, de bienveillance. Si vous êtes adepte, enfin que vous aimez bien le développement personnel, etc. Il y a souvent des beaux messages qui peuvent être retranscrits, et d'apporter surtout de la positivité. C'est un peu ce que disait Axel juste avant, c'est-à-dire c'est une guerre de perception en fait, hein, sur les réseaux sociaux et les médias de manière générale. Donc au plus vous allez être positive, au plus vous allez être bienveillante, au plus vous allez apporter des conseils sur la beauté, le bien-être, au plus vos clientes, elles vont se reconnaître en vous et elles vont avoir envie de vous suivre. Moi, personnellement, je sais pas toi, Cécile, mais moi, je déteste entendre des mauvaises nouvelles. Donc, je les fuis complètement. Et donc, je suis que les personnes qui sont positives. Et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est normal. Enfin, je pense qu'au niveau actualité et information négative, on est servi. Tu peux pas ouvrir une radio ou une chaîne de télé. Donc, c'est sûr que les gens, ils vont avoir maintenant envie de fuir un petit peu tout ce qui se passe de négatif et au contraire de se rapprocher de ce qui va donner, voilà, un peu d'endorphine, un peu de sérotonine, de dopamine, en tout cas quelque chose. Surtout que le contact social est plus là. En tout cas, il est restreint. Donc, on va avoir besoin de sécréter du coup des neurotransmetteurs et un peu de bonne humeur à l'intérieur de notre corps. Donc, il faut que nous, on soit la dose, la drogue de nos clientes pour qu'on puisse apporter la petite dose quotidienne, ne serait-ce que, ouais, on a fait une petite vidéo en faisant « Ouh, voilà, aujourd'hui, on fait tout ça. » Tout à l'heure, voilà, quelqu'un posait la question « Est-ce qu'on peut utiliser l'humour ?» Alors, bien sûr, il faut… tout le monde n'a pas forcément le même humour. Donc, bon, vous avez certainement des clientes qui ont le même humour que vous, d'autres qui sont peut-être plus touchées par le coronavirus ou pas. Donc, évitez tout ce qui concerne le coronavirus. Par contre, de l'autodérision, ça, vous pouvez y aller dessus sans problème. Et puis, parler de vos cernes, de vos rides qui apparaissent parce que vous avez 40 ans. Moi, je sais, je vais avoir 40 ans là, en quarantaine pour mes 40 ans. Je suis trop contente. C'est ça. C'est quand l'anniversaire? Le 29 avril. Allez, le 29 avril, ok, c'est noté. Que je serai pas en quarantaine à ce moment-là, parce que là, en tout cas, si on est sorti à ce moment-là, ça va être la grosse méga fiesta, ça c'est clair. Vous pouvez utiliser l'humour, mais restez dans une zone, pas d'humour noir, des choses plutôt autodérision, ça passe toujours parce qu'on se moque de soi, et quand on se moque de soi, ça fait écho avec d'autres personnes. Donc, tapez plutôt là-dedans. En tout cas, donc pendant la période du confinement, donc vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc il y a les réseaux sociaux. Quelqu'un posait la question sur Instagram, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, alors vous avez deux choses. Sur votre page Facebook, vous pouvez déjà faire des vidéos, apporter du contenu de valeur pour vos clientes sur des techniques, des tutos beauté. Nous, on a pas mal de nos ninjas qui ont commencé à en faire. Et je peux vous garantir que ça amène des likes, ça amène des vues de vidéos, c'est juste énorme. Alors, il faut prendre sur soi parce que faire de la vidéo, c'est pas
facile, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Mais si vous y arrivez pas, bah, mettez des posts, des belles photos, des choses qui sont inspirantes, qui donnent envie, qui apportent de la positivité toujours, avec des conseils beauté, bien-être. Les stories, ça marche très très bien. Donc que ce soit sur Facebook ou Instagram, remettez vos posts en story ou faites des mini vidéos aussi pour faire un petit coucou à vos clientes. Tous les jours, soyez régulières. Alors sachez que pour celles qui ont les enfants à la maison, vous pouvez très bien exceptionnellement faire des petits trucs avec les enfants. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas montrer leurs enfants et là on respecte, il n'y a aucun problème. Par contre, pour celles qui ont l'habitude de montrer leurs enfants, allez-y, faites-les participer, ça donne de la vie et vos clientes vont se reconnaître aussi parce que forcément vos clientes ont des enfants. Donc voilà. Autre technique de ninja, ça va être de créer un groupe Facebook. C'est-à-dire que là, en ce moment, toutes vos clientes sont dans le même cadre que vous, c'est-à-dire qu'elles sont confinées avec leur mari, leurs enfants, et elles doivent trouver des trucs pour occuper le temps. Donc, vous pouvez chacune de votre côté créer un groupe Facebook avec enfin spécial confinement par exemple où là vous apportez bien sûr des conseils de beauté bien-être mais vous pouvez tout à fait parler de la vie en confinement, comment ça se passe entre vous, vous donner des idées de recettes, de trucs à faire avec les enfants, de bricolage. Alors moi je suis en plein dans la peinture, les paillettes et les machins avec ma fille, bah c'est pareil en fait, tout le monde cherche des idées de trucs à faire avec les enfants parce que ça risque d'être un peu long, j'avoue. Mmh. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un groupe Facebook et puis un groupe de partage et d'entraide. Et le fait de prendre le lead, de proposer ça à vos clientes, je peux vous garantir qu'il y en a qui vont trouver ça comme une grosse bulle d'oxygène, de garder le lien, en fait. Ça, c'est juste garder du lien. Bien sûr, vous n'allez rien leur vendre pendant cette période. C'est juste pas possible. Mais par contre, ce que vous leur apportez, c'est juste énorme. C'est du soutien, de l'entraide et ça, elles s'en rappelleront. Et du coup, dès que ça, vous allez pouvoir réouvrir, bah, ce sera les premières, celles qui seront dans votre groupe, ce seront les premières qui vont reprendre rendez-vous et vous aurez vécu quelque chose ensemble en plus pendant ces quelques jours. Et il y aura automatiquement des choses qui vont se passer par la suite en institut ou dans votre activité d'esthétique à domicile. Vous pouvez aussi, pour celles qui sont plus à l'aise avec l'emailing, envoyer, alors peut-être pas tous les jours, mais une fois tous les deux ou trois jours, un emailing avec des conseils beauté. Bien sûr, le but, c'est de garder le lien avec vos clientes. Profitez-en pour envoyer un questionnaire de satisfaction. Souvent, on n'a pas le temps, on prend pas le temps de faire ce genre de choses. De demander à vos clientes si elles sont satisfaites de vos services, si elles aimeraient avoir d'autres services dans les prochains jours, ou qu'est-ce qu'elles faire vraiment, je sais pas, une dizaine de questions. Là, elles ont le temps de répondre en plus, donc c'est juste génial. Donc, vous pouvez mettre ça en sondage sur Facebook et aussi en emailing avec un questionnaire sur Google Form qui est gratuit en fait. Hein. Google Form, c'est gratuit pour pouvoir faire un test là sur ce qui va pas et pouvoir rebondir par la suite. Profitez-en aussi pour remettre à jour votre base de données clientes parce que là il y a du taf, on le sait, il y a toujours plein de choses à faire avec cette base de données clients et de préparer votre plan marketing. Si vous l'aviez déjà préparé là, peut-être qu'il faut le revoir, le réajuster par rapport à la période, par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement et du coup de sortir des offres spéciales, on va en parler juste après, des offres spéciales pour la reprise justement. Quand je dis offre, bien sûr, c'est pas forcément bradé, hein, mais ça va être apporter de la valeur ajoutée et on va vous donner des choses d'ailleurs par rapport à ça. Et donc, activer votre plan de réussite. Là, on parle plus de plan marketing, mais c'est un plan de réussite. Voilà, je sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais ou des choses qui sont intéressantes à relever, Cécile. Écoute, je regardais pour l'instant, il n'y a pas de questions, je pense qu'elles sont toutes. Ok. Oui.
Voilà, après, moi je vois Cynthia qui met si, moi je vends des, en ligne mes produits. Alors oui, moi c'est quelque chose que je voulais indiquer. Vous pouvez tout à fait en profiter pour continuer à vendre vos produits. Soit en ligne parce que vous avez une e-boutique, parce que les services post, ils fonctionnent. Soit vous pouvez voir avec un magasin à côté de vous, à côté de l'institut, pour faire un relais. Comme des fois, on va chercher une commande Amazon dans notre librairie, dans la Vie Claire, un magasin. Et ben, qu'est-ce qui vous empêche de encaisser, donc du coup, vendre des produits, avoir un compte PayPal? Les clientes font le versement sur ce compte PayPal et vous allez déposer le produit dans un magasin ouvert, une boulangerie, un casino. Et contre l'échange, présentation de la pièce d'identité, la cliente qui a fait son versement PayPal vient chercher ses produits parce que elle a peut-être au niveau de son sérum, au niveau de son démaquillant, elle a besoin. Donc, vous pouvez proposer de faire de la vente aussi de cette manière-là. Voilà. Donc, pour revenir sur tout ce qu'on peut faire encore pendant cette période pour occuper de façon positive le temps, ça va être vraiment déjà de prendre du temps pour vous, de prendre du temps, prendre soin de votre famille, de revoir votre plan marketing, de refaire le ménage à fond, trier les placards, que ce soit à l'institut ou chez vous, et aussi profitez-en pour faire du e-learning. Vous avez ici plein de personnes qui font du e-learning. Si vous avez déjà souscrit à des programmes ou si vous avez déjà fait des formations et que vous avez besoin de vous replonger dedans, replongez-vous dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que on va vous offrir un programme de e-learning avec Aurore. Donc, c'est un programme qui comprend trois programmes à l'intérieur. Donc, premier programme, justement, pour savoir créer des offres commerciales qui cartonnent sans forcément casser les prix, mais en apportant de la valeur ajoutée et savoir les vendre correctement. Donc, c'est la formation des trois pièces manquantes que nous avons habituellement à 99€. Là, on vous l'offre pendant la période de confinement. Deuxième chose qu'on vous offre, c'est le replay de notre séminaire ST Power de l'année dernière, de 2019. Vous avez toutes les conférences. Génial. Conférences d'inspiration sur le développement personnel et professionnel, donc qui va vous permettre de garder le bon état d'esprit pendant cette période qui est un petit peu, on va dire, difficile. Et troisième chose, ça va être plein d'idées pour augmenter le panier moyen des clientes lorsque vous allez réouvrir, des idées pour augmenter le panier moyen et emmener les clientes vers d'autres prestations si vous avez envie de développer des prestations ou une expertise particulière. Donc voilà, je vous mets le lien dans le chat. Et puis de toute façon, ce sera repris également sur le livret de cette conférence, on remettra le lien. En tout cas, merci. Voilà, franchement, c'est un énorme, énorme, énorme cadeau que vous nous faites là, toutes les deux. C'est extra. C'est un très beau cadeau parce que du coup, ça va donner plein de pistes pour pouvoir rebondir et utiliser ce temps libre à bon escient. Et ça va être exceptionnel. C'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai parlé de la période du confinement. Peut-être que, Aurore, tu peux parler de la période, donc les quelques jours avant la reprise de l'activité. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les filles? T'as parlé influenceuse, t'as parlé card VIP, t'as parlé de quoi? Parce que je t'avoue, avec... Non, non. Alors, je suis à la campagne, pas là, mais en fait. Le réseau, c'est pas ça. Hein. Voilà. Non, non. Je ne suis pas okay. Terminée de pause. Non. Bon, et on est là. Bon. Mais sinon, je continue. Et puis tu vois. Qu'est-ce que t'as dit en débrief, là? Juste, sinon, je continue dans le programme. Alors, on a parlé de tout ce qui est réseaux sociaux, les posts Facebook, groupe Facebook, emailing, prendre du temps pour soi, ranger l'institut, etc. Et après, donc, les quelques jours avant, qu'est-ce qu'il faut faire juste avant, tu vois, là, normalement, si tout se passe bien, à partir du 16 avril, on va pouvoir réouvrir les instituts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il faut vraiment se mettre dans le mental. Vous le savez, les filles, les femmes, vos clientes vont se retrouver clairement les ongles, ça va être une catastrophe. Moi, je compte me les arracher directement. Non, je regarde. Enfin, à peu près ça. Bref, ça va être une catastrophe, les poils, enfin, tout. Donc, elles vont se ruer vers vous. Et là, ça va être super. En termes psychologiques, vous allez avoir une abondance, un chiffre d'affaires, c'est top. Le truc, c'est qu'à un moment, il va falloir créer des actions de rebond.
Alors, les actions de rebond, vous pouvez nous dire dans le chat qu'est-ce que c'est pour vous les actions de rebond. Alors, on vous donne, voilà, j'aime bien savoir au niveau du niveau, on en est au niveau des rebonds. Ok. Alors, les actions de rebond, ça peut être par exemple 100 € pour une cure mince. Ça peut être 5 € à valoir sur le mois prochain. C'est juste donner envie et surtout faire en sorte qu'elles reprennent leur rendez-vous quotidien. Donc, il y a ça. L'autre chose, c'est qu'on ne va pas se mentir, on va ouvrir et on va avoir un petit moment où on va avoir besoin de trésorerie. On a besoin de trésorerie. La trésorerie, c'est quoi ? La trésorerie, quand vous faites votre compte d'exploitation, c'est important d'avoir 1, 2, 3 mois de charges fixes en avance. À ce moment-là, vous êtes bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire stratégiquement en tant que gérante, en tant que chef d'entreprise ? Eh bien, on va aller chercher la trésorerie. Comment on va aller chercher la trésorerie ? Alors, bien sûr, vous êtes passé peut-être par la BPI, vous allez avoir peut-être les 1 500 €, peut-être d'autres prêts, et ça, c'est cool, gardez-le. Mais au niveau de la clientèle, on va peut-être aller créer une sorte de carte. Une carte un peu prépayée, imaginons. On peut partir sur ce principe-là, c'est-à-dire une carte prépayée à 100 €, 200 €, 300 €, et on va leur offrir peut-être 20 € à chaque fois, 50 €. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, un exemple concret, vous faites une vente de carte prépayée de 100 € et vous la mettez en validité 120 €. Ça veut dire que vous offrez 20 €. Là où c'est important, c'est que vous allez prendre de la respiration. La trésorerie, elle va la payer tout de suite. Elle va payer sa carte à 100 € tout de suite. Et elle va avoir cette façon de faire, de dire « Ok, ça a été très dur cette période. Là, j'ai envie de me chouchouter, j'ai envie de me faire faire un massage, j'ai envie de m'épiler, j'ai envie de me refaire les sourcils, j'ai envie, voilà. » Et cette carte, psychologiquement, c'est un droit pour se faire plaisir. Et vous, de l'autre côté, vous respirez. Voilà, ça, c'est une méthode à mettre en place tout de suite. Après, Nelly, vous m'entendez hein, toujours hein, oui ? Oui, que je parle pas dans le... Oui, oui, oui. Je rigole. Grand moment de solitude tout à l'heure. Ouais. Et donc, Nelly, t'as parlé aussi de garder le contact, tu sais, avec la minceur, les clientes minceurs qui ont entamé une cure et qui, en fait, elles se retrouvent, voilà. Vous avez vos clientes, vous avez fait sans doute les sourcils, une nouvelle ligne, vous avez fait quelque chose de bien, une cure minceur que la cliente a débuté et en fait, elle a mis de l'argent dans la cure et en fait, elle est toute seule. Là, elle est toute seule, elle est dégoûtée. Il y a le pot de Nutella qui trône juste à côté parce qu'on n'a pas eu le temps de le jeter ou on l'a pas jeté psychologiquement, on l'a gardé. Donc, c'est à vous aussi de toujours influencer, hein, toujours garder le contact. C'est important de garder le contact. Pourquoi ? Vous savez, des fois, en termes commercial, des fois, ça, moi, j'aime, enfin, je vous parle cash, hein, mais j'aime pas quand ça pue le commercial. Vous savez, c'est après 2-3 mois, on appelle, on dit « Ah, en fait, j'ai réouvert » et on n'a pas gardé le lien. Et là, si on ne garde pas le lien, ça ne fait pas authentique, ça ne fait pas naturel. Et en fait, vous, vous êtes des femmes authentiques, naturelles et bienveillantes. Si vous faites ce métier-là, c'est que c'est clairement, vous êtes des personnes bien, des personnes bienveillantes. Donc, prenez le contact. Si les personnes commencent et des cures minceurs avec vous, gardez. Si vous savez qu'à un moment, le semi-permanent, elle ne va pas pouvoir l'enlever toute seule, peut-être donner des tutos, gardez le lien. Parce qu'au moment où vous allez ouvrir, ça va être un moment exceptionnel. On va sortir de quelque chose et on va vouloir le fêter ensemble. Et comme vous avez été des influenceuses, des positive women, des femmes qui influencent, qu'on admire, qui reprenez toute votre image et même on va encore plus sublimer votre image que dans cette période-là, c'est le moment où on peut vraiment retourner l'histoire à notre avantage. Et à ce moment-là, peut-être faire une animation du phoning. Écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien, ça y est, c'est reparti. Moi, je fais en tous les cas une animation et vous l'appelez avec un ton marketé suivant votre concept, par exemple. Voilà, ça, c'est des idées à prendre. Quoi d'autre, Nelly ? J'oublie plein d'autres choses. Hein. Il y a sûrement énormément d'autres idées.
Mais en fait, c'est peut-être pour celles qui veulent justement retrouver rapidement de la trésorerie et qui ne se sentent pas de faire des ventes de produits là en ce moment pendant la période de confinement, parce qu'il y a des pour et des contre, voilà. Mais de faire une petite offre par SMS avec un 5%, 10% juste pour dire aux clientes, bon bah voilà, vous avez certainement terminé vos cosmétiques. La bonne nouvelle, c'est que grâce au retour post-confinement, eh bien, je vous fais moins 10, moins 15% sur les cosmétiques, le cosmétique de votre choix. Ça peut être que sur un seul produit ou ça peut être sur un ensemble de produits. En tout cas, l'idée, c'est de rebooster rapidement votre trésorerie, de récupérer de l'argent pour pouvoir ensuite refaire des commandes et réamorcer la pompe, en fait. Ensuite, faire du phoning aussi, toutes vos clientes qui sont en cours de cure minceur, en cours de cure visage, juste les quelques jours avant la réouverture, c'est ce que je voulais te faire dire tout à l'heure, mais je crois que... En tout cas, les appeler et prendre en priorité les rendez-vous avec elles, parce qu'elles ont déjà payé. Donc ça, c'est des clientes qu'il faut absolument traiter en priorité. Et ensuite, je pense, moi, clairement, que vous allez pas chômer. Quand le retour à l'activité va se faire, vous allez avoir un pic d'activité qui va être juste énorme. Donc prévoyez peut-être de faire des plage horaire un petit peu plus large, parce que tout le monde va arriver avec ses poils de Yeti, comme on peut voir sur les réseaux. Donc ça va être quelque chose. Et puis les ongles qui vont être, on sait pas trop comment. Enfin, en tout cas, tout ce qui est poils, ongles, extensions de cils, là, il va y avoir du travail. La minceur aussi, parce qu'on va être en plein ce qui est génial, c'est qu'on tombe pas en pleine période d'hiver, on va rattaquer en plein cœur du printemps-été. Donc du coup, la minceur, vous pourrez rattaquer direct, parce qu'il y en a plein qui vont rester en mode Netflix, popcorn, chips et compagnie, et à picoler, et donc là, elles vont gonfler. Donc... Ouais. L'idée, c'est de leur proposer peut-être déjà une cure détox plus de la minceur derrière pour faire en sorte qu'elles retrouvent une silhouette sympathique. Quand on parle de les influencer, c'est aussi peut-être pendant la période de confinement de leur donner des idées de recettes, de sport, de yoga, pour qu'elles restent zen et qu'elles prennent pas trop de kilos non plus, parce que prendre des kilos, c'est peut-être bon pour le business minceur, mais à un moment donné, nous, c'est surtout la peau qu'on va réussir à travailler au niveau cellulite et autres, mais par contre, on va pas pouvoir leur faire perdre du poids, c'est pas notre métier à la base, même si on connaît 2-3 petits trucs, mais bon, voilà. Donc allez-y à fond sur ces trucs-là. Il y a Valérie qui dit, excuse-moi Léa, je te coupe, mais qui dit comment prioriser. Alors ça, c'est hyper important, comment le dire. Vous savez, les clientes qui vous font vivre, qui nous font vivre, c'est toujours pareil, c'est la loi de Pareto, enfin après on s'en fout d'expliquer la loi, mais c'est les 20% de vos clientes qui réalisent les 80% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire, voilà, les 20% de vos clientes. Ces 20%, c'est les clientes VIP. C'est les clientes que vous devez chouchouter le plus possible, parce que c'est celles qui vous font entièrement confiance, qui sont capables de mettre beaucoup de sommes pour bien sûr se faire belle, mais elles vous font confiance, et c'est ces personnes-là qu'on va prioriser. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'une dame qui fait que les sourcils, on va pas bien mal la traiter. Bien sûr que non, on va la traiter, mais en tous les cas, prioriser les personnes qui vous font vivre, qui ont en tous les cas totalement confiance en vous. Vraiment. Donc là, c'est vraiment, on regarde, ça c'est intéressant à faire, tiens, pendant le confinement, c'est analyser sa base de fichiers clients. Ça, c'est hyper important. Ah ouais, il faut faire le ménage dans la base de fichiers clients, ouais. Le ménage. En tout cas, mieux vous connaissez votre fichier client, mieux vous connaissez vos chiffres, et plus vous arriverez à sortir de cette crise plus facilement. Mais si vous ne connaissez pas vos chiffres et que vous ne connaissez pas votre fichier client, en effet, tout va vous paraître extrêmement compliqué, extrêmement flou. Donc, plus vos données sont nettes et claires dans votre tête,
mieux vous vous en sortirez. C'est très important. Alors, Cynthia, à un moment donné, dit, Laure a dit de ne pas faire de promo. Alors, Laure, elle a dit de ne pas faire de promo pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Par contre, une petite offre, une petite promo, hein, tout, c'est toujours pareil. Hein. Rien n'empêche d'en faire une si elle est mesurée. Après, évidemment, les clientes, elles vont avoir très envie de revenir. Moi, je propose plutôt de faire des combinés, c'est-à-dire que la cliente, une fois qu'elle est dans l'institut, fait en sorte de la garder plus longtemps avec un panier du coût moyen plus haut. C'est-à-dire qu'elle va venir peut-être pour son épilation, prévoyez un combiné, offrez un pack, mais du coup, vous faites une offre, pas de ces discounts, hein, vous faites une offre, c'est simplement que vous rassemblez vos offres, vous lui proposez un soin visage, une manucure et une épilation. Donc, la cliente, vous la gardez plus longtemps et vous augmentez le panier moyen. Un rituel cérémonial. Voilà, ça peut être aussi une idée. Excellent. Ça peut être le retour justement avec une offre. Quand on dit une offre, c'est-à-dire que vous faites un pack avec un nom spécifique. On prend soin de vous, le happy skin, le happy ce que vous voulez, happiness hour. Voilà, on vous fait la totale quand vous êtes à l'institut, voilà. De façon à pouvoir aussi garder la clientèle plus longtemps et avec un panier moyen qui va augmenter. Toutes les clientes VIP, là, c'est le top. Et la qualité de l'accueil, Il y a Caroline qui dit « Je pensais faire une soirée réouverture ». Oui, effectivement, faites la fête avec vos clientes. Quand on va toutes sortir, là, on va être en mode pompidop. On va juste avoir envie de tous se serrer dans les bras et tout ça. Ça va être juste énorme. Prévoyez, Aurore en a parlé sous forme d'animation, mais prévoyez soit une soirée, soit une journée spéciale, retour à la normale. Enfin, après, vous utilisez le terme que vous qui vibre le plus avec vous, avec ce qui vous êtes, mais prévoyez ça. Je pense que les clientes vont adorer, ça c'est sûr. Caroline a dit rituel sortie de confinement. Pourquoi pas? Voilà le. Alors, je pense qu'il faut pas être négatif dans le nom. Hein, évite tout ce qui peut faire un rapport à cette période-là. Soyez plutôt dans le verbal, le non-verbal, dans ce que vous écrivez, dans le positif. Hyper important, n'utilisez pas ni crise ni confinement, voilà. Là, c'est plutôt le happy, les sunlight, voilà. Je vous dis le happy hour de l'institut. Soyez plutôt dans quelque chose de positif quand vous communiquez aujourd'hui, demain et après-demain avec votre clientèle. C'est hyper important, évidemment. Les filles, vous aviez autre chose. On a eu des merveilleux cadeaux. Est-ce que du coup, vous avez d'autres infos, astuces à nous donner? Écoute, je pense qu'on en a dit déjà pas mal. Oui, c'est bon. Il y a déjà beaucoup de devoirs à la maison. Est-ce que tu as dit pendant le confinement, retravailler la carte de soins peut-être et la rentabilité? Ah non, ça non. Alors, vous allez voir dans le module, dans la formation, vous avez un moment valeur ajoutée dans le module. Et c'est vraiment de faire en sorte que, des fois, on a du mal, vous savez, à augmenter nos prix, en fait, parce qu'on se dit, il y a la concurrence, moi, je peux pas, je me sens pas forcément à l'aise. Ah, et en fait, d'augmenter la valeur ajoutée du soin, de la prestation perçue, ça va vous mettre et vous délivrer et permettre de mettre des prix plus hauts. Et si vous mettez des prix plus hauts, vous allez augmenter en rentabilité, vous allez augmenter en salaire. Donc, c'est hyper, hyper intéressant d'avoir le temps, en tous les cas, de le faire. Voilà. Après, Cécile, moi, j'avais une question. Franchement, j'avais une vraie question. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est que je me dis, en fait, alors moi, je regardais un truc sur la peste, en fait. Un truc horrible, mais bon, c'est pas grave. En 1300, il y avait la peste et en fait, ça a changé les mentalités. Non, je te jure, il y a eu un gros changement de mentalité et les gens ont changé de vie, en fait. Et il y a eu une évolution de la classe ouvrière, enfin, pas ouvrière, paysanne. Paysanne. Et le truc, c'est que... Des couches sociales. Je me dis, est-ce que c'est pas un... J'en sais rien. J'ouvre juste le truc, peut-être... pour le refermer direct, peut-être. Mais je me dis, est-ce que ça ne serait pas pour nous le moment
de se replier ou du moins de, au lieu de se diviser, parce que des fois on est concurrente et tout ça, mais encore plus se rassembler et se chouchouter et finalement d'être plus dans une concurrence des prix avec des prix plus bas et tout ça, mais peut-être d'aligner nos expertises et de créer finalement un nouveau monde de l'esthétique avec des instituts associés. Par exemple, moi je sais que voilà, on sait que les expertes, on n'est pas forcément expertes toutes modelage, on n'est pas expertes toutes visage, mais par contre ma voisine elle adore ça. Enfin, ma voisine esthéticienne, je veux dire, ma consoeur, en fait. Et peut-être, peut-être couper les choses pour faire en sorte qu'on vive mieux dans l'esthétique. C'est-à-dire, redonner le pouvoir aux esthéticiennes et finalement, plus à nos clientes, en fait, finalement. Parce qu'elles vont aller chercher ou à des clientes ou... Bon, après, je vais rentrer dans un truc un peu plus complexe. Mais enfin complexe, enfin non, polémique, donc je vais me taire, mais voilà. Moi ouais, j'aime bien les polémiques. Ok, laisse tomber. Écoute, moi j'ai pas mal réfléchi à tout ça et en fait je vois plusieurs choses. En effet, les filles, c'est sûr que c'est un moment et l'histoire l'a prouvé à travers de multiples épreuves que l'humanité a traversées. Ne serait-ce que les derniers en date, les attentats, c'est qu'à un moment donné, ces épreuves négatives font ressortir quelque chose de positif dans la conscience collective. C'est-à-dire que là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut constater ? On voit les images satellites de notre Terre, notre belle planète, où la pollution disparaît quasi totalement. On a vu les images au-dessus de la Chine, c'est pareil chez nous. On se rend compte que là, peut-être que, je ne sais pas, ça part dans le spirituel, mais la nature, elle nous, des fois, vous savez, on se rend malade. Le corps nous arrête. Quand on ne veut pas s'écouter, le corps nous arrête. Voilà, on est obligé, le corps nous arrête. Peut-être que la Terre nous arrête parce qu'on fait trop de mal et que notre comportement individuel n'est pas le bon pour la planète qui nous abrite tous. Alors, peut-être que c'est le moment, en effet, de faire un point sur nos attitudes. Qu'on peut avoir dans notre vie personnelle, de se reconsidérer nous personnellement, de se recentrer sur soi, peut-être que se dire peut-être que mon métier, je vois que il se passe des choses, est-ce que je le garde, est-ce que je conserve cette profession, est-ce que je la fais évoluer, quelle philosophie je veux donner, quelle force je veux donner à ma profession et qu'est-ce que je veux moi donner comme message. Qu'est-ce que je veux être, moi, vis-à-vis des miens et vis-à-vis de mes clients? Qu'est-ce que je peux envoyer comme message? Voilà, cette crise, c'est sûr qu'elle nous fait réfléchir à des choses qui sont très proches de nous. Et puis après, voilà, ça s'étend comme ça. Et c'est le moment, en effet, de faire le point. Et Nelly le disait tout à l'heure, peut-être qu'il faut prendre 2-3 jours pour faire le point sur ce qui se passe. Et puis, eh bien, ressortir plus fort, mais aussi meilleur, face à nos collègues, face à la profession, face à nos enfants, face à notre vie personnelle. Et ça, ce serait plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de tout ça. Et je suis convaincue qu'il y en aura encore beaucoup. Mais il faut que ça commence déjà par soi, évidemment. Ce que je constate aussi, c'est que je m'aperçois que notre profession, elle est fragile. C'est-à-dire que 15 jours, on parle de 15 jours de confinement, c'est la bérésina. On a l'impression que la profession, que tous les instituts du monde vont fermer. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont fermer, peut-être pas, et je le souhaite pas. En tout cas, on est vraiment là pour éviter ça. Mais je me dis, notre profession, elle est si fragile que ça, que finalement, on n'a pas les reins solides. Il n'y a pas de trésorerie pour pouvoir absorber une crise. Je me dis, mais si demain, tu as un accident de voiture, que tu es alité, que tu peux pas aller bosser ou que je ne sais pas, pour X choses qui sont pas forcément graves, mais qui t'empêchent de générer du chiffre d'affaires parce que t'es pas dans ton institut. Voilà, c'est peut-être le moment de se dire, ça fait peut-être 6 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans que je suis ouvert et aujourd'hui, je n'ai pas de trésor pour absorber 15 jours de confinement. Donc là, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour que si demain, il y a une nouvelle crise, un nouvel événement, eh ben vous puissiez être beaucoup plus à l'aise et avoir de la trésorerie pour faire face à une crise plus ou moins grande. Et donc là, il faut vraiment, vraiment faire le point sur votre façon de travailler, votre carte de soins, vos marges, votre rentabilité, vos sorties et vos entrées. Et donc pour ça, vous avez déjà deux filles super qui sont là et qui peuvent considérablement vous aider à apprendre
vos chiffres à les connaître. Parce que les esthéticiennes, quand on parle de chiffres, pff, aïe, là, du coup, il y a la tension chute. Oui, sauf que c'est le nerf de la guerre. On est des chefs d'entreprise avant d'être des esthéticiennes. Donc, vous devez obligatoirement, maintenant, connaître vos chiffres. Et si cette crise, eh ben, elle doit au moins avoir quelque chose de positif, c'est ça. C'est ben, maintenant, mes chiffres, il faut que je les connaisse et il ne faut plus que j'en ai peur. Il ne faut plus que vous soyez comme ça à avoir peur des chiffres et des montants. Il faut que vous les connaissiez, que vous leur teniez tête parce que c'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir les contourner et pour trouver des solutions. Donc, c'est pas normal que cette crise de confinement, elle puisse nous mettre à genoux comme ça. Je pense qu'aussi au niveau réglementation, j'espère que les syndicats, les fédérations vont vraiment bosser pour nous, pour qu'aujourd'hui, on soit mieux protégé et qu'on puisse peut-être demain demander à ce que déjà des TVA soient plus à 20%, mais elles soient comme la restauration, avec des TVA moindres sur certaines prestations de services. Voilà, pourquoi pas de la TVA à 5,5. Je me dis que, bah, que cette crise, elle montre que notre profession, elle est fragile sur certains points. Bah, ce sera peut-être le moment de mettre des pétitions en place aussi pour dire que demain, on veut que la TVA soit revue. On veut que notre fiscalité soit différente parce que ça n'a pas bougé depuis des lustres. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce que tu as, par rapport à cette marge que tu as, cette petite ouverture que tu m'as laissée et que j'ai un peu poussé les murs. Hein. Mais voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Excellent. C'est génial. Voilà. C'est clair. Okay. Donc, ouais. Je pense qu'il y a encore plein de choses. J'en profite pour vous consulter Anaïs qui vient d'arriver et qui avait des problèmes pour capter. Elle a trouvé l'endroit pour capter. Elle capte bien. Anaïs, c'est donc du coup mon assistante au niveau du Médiage Formation. Certaines, vous la connaissez, d'autres pas. Vous l'avez peut-être entendue, vous connaissez sa voix, vous avez déjà reçu ses mails. Voilà un visage et un beau visage. C'est Anaïs qui s'occupe des formations à Médiage Formation et qui est là pour pouvoir justement éventuellement faire des recherches en live, en direct, prendre certaines notes pour notre livret digital de plus tard. Voilà. Donc Anaïs, tu as du coup au-dessus de toi Nelly et sur ta droite, donc à gauche de ton image, tu as Aurore, donc pour esthéticienne performance, des coachs de dingue qui sont là pour nous aider. Merci à vous, vous nous avez fait des super cadeaux, une magnifique intervention. Je pense que les filles sont ravies et elles sont au top. On peut leur demander comment elles vont à la fin. Merci à toi, c'est comment elles sentent là. Non, mais grave. Allez, comment vous vous sentez? 10. On fait une petite échelle là. 2. De 1 à 10. Non, 15. Attends, on recommence. Ah merde. Bon, c'est raté. Putain, je vais croiser les doigts. Mettez pas 2, mettez pas 2, vous mettez un 0 après. Ouais, de 1 à 10, allez, comment vous vous sentez maintenant que vous avez eu du concret, c'est-à-dire que vous avez eu des actions, voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Allez, de 1 à 10, qu'est-ce qu'on met? Qui lance le premier 10? Qui lance le premier 10? Ouais, Christelle! Le premier 10. Voilà, on va continuer au top, super. On va continuer, on a Jérôme qui va intervenir pour nous parler du bien-être, de l'immunité. Je reprendrai la parole après. Et puis, voilà, on va avancer comme ça. 9 sur 10, 7 sur 10, 10, 10, 10. Ah, génial. On voit des plus, du 20 sur 20. Bravo. Formidable. Merci les filles. Vous êtes au top. Nelly, Aurore, merci beaucoup pour votre temps et merci encore une fois pour le cadeau, les deux cadeaux formidables que vous venez de nous merci faire. Merci à toi. Merci génial. À toi, bravo. Merci beaucoup. Bravo. À très vite. À très vite. Au revoir. Bravo. Bisous. Bel applaudissement. Bye. Et c'est power. Et c'est power, power. Bisous. Allez, je présente maintenant Jérôme. Jérôme qui est le naturopathe. Qui est naturopathe et qui intervient aussi au niveau de Médiage Formation, qui nous fait donc les formations sur la nutrition et la micronutrition anti-âge et la nutrition et micronutrition dans la gestion du poids. Donc Jérôme va nous délivrer des conseils pour nous préserver au niveau de l'immunité, des conseils aussi pour gérer le stress, comment on peut faire avec des plantes, avec de la nourriture. Et puis Jérôme aura aussi d'autres conseils qui vous seront délivrés dans le livret digital. Jérôme, je te laisse la parole. Merci bonjour à toutes et à tous, je suis bien content d'être là.
C'est vrai que c'est une période pas facile en ce moment, mais il y a plein de ressources avec toutes les personnes qui sont intervenues. Donc, c'est vraiment super de voir ce dynamisme et cet enthousiasme. Et effectivement, c'est un moment où on peut réfléchir un petit peu sur le sens qu'on va donner à tous ces événements pour pouvoir rebondir derrière. Alors, ce qui est important aussi dans cette période de confinement et puis dans cette préparation de la reprise après, c'est que se dire, ben, tout ce que je vais préparer, par exemple, sur mon plan marketing, sur la stratégie, que ça soit de communication, ma stratégie produit après, eh ben, c'est de se dire que si on veut qu'économiquement tout fonctionne bien, il va falloir aussi que, on va dire, dans son corps et dans sa tête, ben, on se sente avec le plein d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare tous les jours, et notamment cette période où on a plus de temps pour soi, pour se ressourcer, elle est propice justement à préparer ça. Donc, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut plus sortir. Vous avez dû tous entendre ce papier, cette dérogation qu'on peut utiliser, et la dernière case, c'est activité physique à proximité du domicile. Ben moi, je vous conseille, en particulier pour celles et ceux qui sont confinés dans des appartements, de sortir au quotidien, de faire vraiment bouger son corps, parce que c'est un moyen justement d'aller éliminer la tension, d'aller éliminer le surplus d'anxiété, de stress, et puis de faire bouger l'ensemble des liquides du corps et de faire fonctionner les organes qui sont ce qu'on appelle nos émonctoires en naturopathie. C'est les organes qui nous permettent d'éliminer les déchets, les toxines, qui viennent de l'alimentation, qui viennent de l'environnement ou qui viennent du stress, donc qu'on peut se générer soi-même. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, à aller en profiter pour être en contact des éléments naturels. Donc, si vous avez un bois à côté de chez vous, un espace naturel qui n'est pas fermé, ben, allez-y. Et si vous ne pouvez pas sortir ou si vous êtes vraiment en milieu urbain, utilisez tous les espaces de votre domicile, la terrasse, par exemple, le balcon, pour faire des activités physiques douces. Ça peut être des étirements. On a accès maintenant via aux plateformes de streaming, que ça soit YouTube, Dailymotion, Netflix ou autres, plein de programmes qu'on peut utiliser à distance pour faire du coaching sportif, du yoga, des étirements. Utilisez ça. Faites ça, je dirais, au moins une demi-heure dans la journée. Ça peut être 2 fois 15 minutes réparties dans la journée pour vous faire des moments de pause. En particulier, comme on est au début de ce confinement, ben souvent on se concentre un peu sur l'administratif au départ. Ça nous remplit le cerveau, ça nous fait sauter les fusibles. Donc, pour éviter que les fusibles sautent tous, ben placez des moments comme ça pour vous détendre physiquement. Ça peut être aussi des moments où vous faites simplement de la respiration abdominale. Faire des pauses où vous allez mettre une main sur le ventre, faire une inspiration, par exemple, sur 4 secondes, maintenir poumon plein sur 2 secondes et expirer sur 6 secondes et faire ça une dizaine de fois. Puis, vous reprenez une respiration normale, vous refaites ça une dizaine de fois et vous pouvez faire ça à différents moments dans la journée. Ça va vous poser, vous recentrer sur votre ressenti intérieur, vos émotions et vous permettre de mieux vous oxygéner. Et avec cette respiration, baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle et de limiter l'impact de l'anxiété et des tensions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille régulièrement. Pour celles et ceux qui ont la chance d'être en maison, d'avoir une piscine, d'avoir un jacuzzi, d'avoir une baignoire, utilisez tout ça pour vous détendre également et ou faire de l'activité physique, bien évidemment. Donc ça, c'est des petites choses à garder et vraiment à faire au quotidien. Après, utilisez aussi le levier de l'alimentation. Dans cette période-là, on a besoin d'avoir notre immunité qui soit super boostée, donc pour déjà se sentir bien d'une manière générale, et en plus dans cette période où y a un risque de contamination virale. Donc l'alimentation, c'est vraiment un levier pour aller stimuler votre immunité, pour aller stimuler au maximum la lutte contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire la surcharge en radicaux libres qui vient de notre environnement et notre situation un petit peu de stress. Donc c'est pas parce que on est en confinement qu'on peut pas aller faire ses courses pour récupérer des produits qui sont intéressants pour, je dirais, optimiser et booster le corps. Donc composez vos repas avec une majorité d'aliments végétaux, si possible frais,
Donc, on va dire au moins 50% de légumes crus, cuits, quel que soit ce que vous trouvez, je dirais, dans cette période, même si c'est en bocal, même si c'est surgelé, même si c'est en conserve, mettez-en. Hein, il vaut mieux des légumes en conserve que pas de légumes du tout. D'accord. Pour apporter ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments, ces antioxydants qui vont pouvoir être boostés, plutôt qu'aller chercher des produits ultra transformés chez les apothicaires. Buvez régulièrement, d'autant plus si vous faites de l'activité physique, pour ne pas vous déshydrater. Hein. 20% de déshydratation, qui est déjà une bonne déshydratation. Non, pardon. 5% de déshydratation, qui est déjà une bonne déshydratation. C'est à peu près 20% de capacité physique en moins, de capacité psychique en moins. Vous imaginez, ouais. C'est plus difficile à gérer dans ces situations. C'est énorme. Surtout avec le travail qui nous attend, en effet. Et si l'eau, ça vous rebute, n'hésitez pas, vous pressez un petit peu de fruits dedans, des rondelles de fruits, des petits morceaux de curcuma, de gingembre. Pourquoi pas une petite infusion que vous diluez dans de l'eau. Pourquoi pas de l'eau aromatisée que vous trouvez au supermarché. Tout est bon pour bien s'hydrater. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser des aliments qui vont être riches en zinc. Le zinc, c'est un minéral qui est vraiment important déjà, on va dire, pour les muqueuses d'une manière générale, pour les muqueuses ORL, les muqueuses intestinales, même la peau. Et c'est un minéral qui va permettre de stimuler l'immunité et qui va contribuer à réduire la réplication virale, quel que soit le virus. Donc ça, c'est assez simple. D'accord. En supermarché, en magasin bio, vous pouvez acheter des germes de blé en paillettes, c'est très riche en zinc, des graines de sésame, de citrouille, de courge, vous assaisonnez vos salades dessus. Alors c'est, je sais pas, période des huîtres ou pas, mais si vous êtes au bord de mer et que vous avez un producteur d'huîtres fraîches, c'est l'aliment le plus riche en zinc. Donc, avec un petit verre de vin blanc, vous vous faites plaisir et vous rechargez en zinc. Il y en a une qui propose du champagne. Pourquoi pas ? Le plaisir, il est essentiel au beau fonctionnement du corps. Donc, on digère mieux quand on se fait plaisir. Et puis, quand on a de la joie, du peps, de la bonne humeur, notre système immunitaire, il ne peut être que boosté. Bien sûr, je le dirais avec modération. N'hésitez pas tout ce qui va être aussi épices, herbes aromatiques. Et moi, je vous conseille en particulier tout ce qui va être ail, échalote, ciboulette, oignon. Ça tombe bien, on est en confinement, donc on n'a pas à parler à 30 cm de vos clients et clients. Voilà. C'est mais ça. Vraiment des aliments qui sont boostants au niveau immunité, qui ont des propriétés antiseptiques. Donc, n'hésitez pas à les utiliser au quotidien. Et puis, tous les choux. Alors, c'est pas forcément les aliments qu'on préfère, mais les choux crus, cuits, choux rouges, choux chinois. Enfin, choux chinois, pas forcément qui vient de Chine, hein, mais c'est la variété. Les brocolis, les choux romanesco, ils vont vous apporter notamment des composants soufrés qui vont booster le fonctionnement de votre foie et ce qu'on appelle la détox hépatique. Donc, n'hésitez pas, ils ont aussi des propriétés pour stimuler la digestion, des propriétés antiseptiques. Et puis, je vous conseille aussi, si jamais vous en avez dans vos instituts ou à la maison, si vous avez des compléments de vitamine D, la vitamine D3, je vous conseille d'en prendre au quotidien. Vous regardez dessus, si c'est sous forme de goutte, vous regardez le dosage par goutte, ça se dose en unité internationale, c'est UI. Voilà. Et donc, je vous conseille pour un adulte de prendre au moins 2000 UI tous les jours. 2000 UI, c'est vraiment la dose qui va nous aider à booster notre immunité. Cette vitamine D, elle n'est pas que nécessaire à la stimulation du calcium. Elle rentre en jeu dans plein de mécanismes et notamment tout le fonctionnement du système immunitaire. Donc, prenez-en au quotidien. C'est beaucoup mieux en quotidien que de prendre des ampoules, par exemple, du V-dose tous les 3 mois ou les 6 mois. Voilà, de la vitamine D3. La D3, alors. Et puis après, pour continuer, je dirais, dans l'usage de compléments alimentaires, on a des compléments alimentaires sous diverses formes, mais notamment, moi, je vous conseille les huiles essentielles parce qu'elles sont faciles à utiliser, faciles à trouver en pharmacie, qui restent quand même les points d'achat qui seront tout le temps ouverts. Hein, on commence à voir des magasins bio qui ferment là. Donc, moi, je vous en conseille plusieurs. La première, c'est le Ravinsara. Donc, ça s'écrit Ravinsara.
Et c'est une des huiles essentielles majeures qui va être antivirale, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire. Elle va stimuler l'immunité. Et donc, vous pouvez en mettre deux gouttes sur l'intérieur des poignets. Ensuite, vous faites un petit massage comme ça. Et vous faites ça trois fois par jour, matin, midi et soir, pour aller renforcer votre immunité. Si vous avez de l'arbre à thé chez vous à la place du ravioli, vous faites la même chose. Si vous avez du niaouli, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Et si vous avez des diffuseurs d'huile essentielle, n'hésitez pas à diffuser un petit peu d'huile essentielle, notamment, moi je vous conseille l'essence de citron, les agrumes sont pas mal pour aller aseptiser un petit peu l'air de votre appartement, de votre maison, quand on est confiné comme ça. Donc, et si vous avez des petits rhumes de l'hiver, des choses comme ça, l'huile essentielle d'eucalyptus radié est très très bien. Vous pouvez en faire des inhalations le soir par exemple. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez ça dans un bol, 2-3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, un petit torchon, vous mettez ça au-dessus, vous fermez les yeux, vous respirez pendant 5-10 minutes. Et ça va stimuler l'immunité au niveau des voies respiratoires et permettre d'aller dégager. En précision, les conseils de Jérôme, c'est pour renforcer l'immunité, pas pour traiter aujourd'hui, le coronavirus. Hein. L'état des connaissances actuelles. Parce que, voilà. Attention, en l'état des connaissances actuelles, on n'a pas, je dirais, ni de médicaments, ni de produits pour lutter contre ce virus. Hein, le mieux, c'est les gestes barrières qui ont été indiqués par le gouvernement, le confinement, et ensuite, on booste son immunité par ces outils-là, qui sont des outils généraux, mais très efficaces. Hein. Aliments riches en zinc, à part les huîtres, tu penses à le quoi? Le germe de blé en paillettes, vous savez qu'on peut trouver en supermarché, vous avez C'est les germes, là c'est la marque Céréales et la marque Gerblé qui font ça. Donc vous saupoudrez ça sur vos crudités, vos plats. Hein. Vous pouvez en prendre 2 à 3 cuillères à soupe rases par jour. Et sinon, vous pouvez toujours en supermarché trouver au rayon bio des graines de sésame, des graines de courge, des graines de citrouille. Et ça aussi, ça contient beaucoup de zinc. Hein. Donc, D'accord. Et puis, je termine aussi par une plante qui peut être intéressante pour stimuler l'immunité. Alors, il y en a plein, mais c'est une parmi d'autres. C'est l'échinacée. Même, je vais en citer plusieurs. Échinacée, cyprès, sureau. C'est des plantes qui sont stimulantes de l'immunité et qu'on trouve assez facilement en pharmacie. Vous avez par exemple le laboratoire Pilège en pharmacie, qui est facile à trouver, qui fait des phytostandards sous forme de gélules de ces différentes plantes, phytostandards d'échinacée par exemple. Voilà. Échinacée. Voilà. Okay. Échinacée, Cyprès, Pilège. Chez Pilège, Sureau, c'est Pilège et ils font des mélanges. Et pour ceux qui n'aiment pas les gélules, ils font la même chose en macérat glycériné. C'est sous forme liquide et on dilue ça dans l'eau. On respecte la posologie qui est indiquée par le pharmacien et on fait ça une dizaine de jours par mois et ça permet de booster l'immunité. Voilà. Donc, s'il fallait garder en synthèse l'activité physique régulière, bon pour le mental, bon pour le corps, une alimentation où on met au moins 50% de végétaux, une complémentation en vitamine D3, boire régulièrement. Et puis, on peut booster avec ces plantes en huile essentielle ou en complément alimentaire et on les trouve facilement en pharmacie. Hein. Voilà, ça serait mes conseils. Ok, super. Eh bien, écoute, ils vont être repris et inclus dans le livret digital avec d'autres conseils. Donc, du coup, il y en aura encore plus. On ne détaillerait pas tout cela. Mais merci beaucoup, Jérôme, pour avoir fait ce point sur les aliments. Il y avait une petite question sur les huiles essentielles pour les enfants. Alors, les huiles essentielles pour les enfants, la recommandation en France, principe de précaution, c'est pas avant 7 ans. Mais celles que je vous ai indiquées, et en plus, toute année, elles sont, y a très peu de risques. Donc, si vous avez des enfants, je dirais entre 3 et 6 ans, entre 3 et 7 ans, vous pouvez leur en donner. Moi, ce que je conseille pour les petits-enfants, vous faites ça sur le pli du genou derrière. Et puis, vous remettez un legging ou un pantalon pour pas qu'il puisse le toucher ou alors sur la plante des pieds et vous remettez une chaussette. Donc, c'était Ravine Niaouli. Sarah, Titri et Nia. Si vous avez des peu sensibles au niveau cutané, vous diluez ça dans un peu d'huile d'olive. Donc, vous faites par exemple une vingtaine de gouttes dans une cuillère à café d'huile d'olive
Comme ça, ça atténue un petit peu l'effet pour les enfants qui seraient sensibles au niveau cutané. D'accord, ok. Eh ben super, merci beaucoup avec Jérôme plaisir. De ton intervention qui n'est pas des moindres parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous et de notre famille pendant ce confinement. Merci beaucoup, on t'embrasse et on te dit à très bientôt. Ciao. Allez, je laisse Anaïs se présenter rapidement et puis ensuite, moi, je vais vous donner aussi quelques indications. Et puis comme ça, voilà, dans une petite dizaine de minutes, on aura fini, il sera 16 heures. Anaïs, vas-y, j'ai fait une présentation, mais qu'elle puisse entendre ta jolie voix. Vas-y, à toi. Anaïs, j'ai 22 ans, je travaille pour Cécile depuis septembre 2019. Donc voilà, donc en télétravail forcément, oui. Mais c'était déjà le cas avant. Donc moi, pour moi, ça change pas grand-chose, je vous avoue. Mais bon, on fait avec de toute façon. C'est sûr. Et puis, on essaie de se protéger comme on peut, en tout cas. Donc voilà. Bon, voilà pour Anaïs. Merci à toi, Anaïs, qui est là et qui nous écoute depuis le début, même si vous ne l'avez pas vu tout de suite, parce que justement, elle prend des notes pour qu'on ne puisse oublier aucune information à vous mettre sur le livret. Donc, Anaïs, elle a noté énormément de choses pour nous. Donc, vous pouvez lui faire un petit merci, Anaïs, dans le chat. Ça lui fera plaisir. Alors, concernant les informations que je vais vous donner, c'est des informations un petit peu qui vont reprendre tous les sujets. Là, pour rebondir par rapport au sport, il faut savoir que vous avez des salles de sport qui se sont mis en ligne pour vous proposer en fait des remises en forme, des cours de sport en ligne, comme par exemple l'usine Club Sport. Je vais vous le mettre dans le chat. J'ai une connaissance qui fait du Herbalife. On n'aime pas, c'est pas la question, mais en tout cas, il propose de vous connecter gratuitement et de faire une demi-heure de sport en ligne. J'en ai fait un pas plus tard que hier soir et il y avait 386 connectés pendant 30 minutes. On a fait du cardio et du renforcement musculaire chez soi, sur place. Et ben voilà, ça fait un bien fou. Donc, vous avez des salles de sport qui se mettent en ligne pour vous proposer de vous faire bouger pendant une demi-heure et de façon gratuite. Et on peut le faire avec le mari, avec les enfants ou toute seule. Donc, c'est super sympa pour se maintenir aussi en ligne. Mise en cils. Je vous parle de mise en cils parce que j'ai discuté avec Julien là tout à l'heure par Messenger. Ils ont créé un groupe. Ils vont faire un article par jour avec aussi des interventions vidéo. Donc, il y a un groupe mise en cils qui a été créé. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de mise en cils, vous allez le trouver et vous inscrire de façon aussi à avoir des tutos, des apprentissages via du coup le groupe mise en cils. Hélène leur vous a dit aussi qu'il y avait un jour un article qui va être diffusé sur leur page Facebook. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme information? Voilà, n'hésitez pas à faire du live, ça on en a quand même bien parlé. Faites vraiment des posts et des mailings et des vidéos avec le happy, avec le smile. C'est très important pour votre clientèle. Restez lumineuse. Imaginez que nous, on ait fait cette conférence en étant comme ça. Oh là là, c'est dur. Comment on va faire? Mon Dieu, mais comment on va s'en sortir? Bon, ben voilà, on a juste envie de se pendre. Oh, voilà, donc on a amené beaucoup de dynamisme, beaucoup de sourires, beaucoup de rigolades et puis beaucoup d'ondes positives pour vous donner de la force. Donc, faites de même avec votre clientèle. Vous avez vraiment un rôle très important. Vos clientes, elles vous adorent. Vos clientes, elles comptent sur vous. Donc, c'est pas parce qu'on ne les voit pas physiquement qu'on peut pas apporter beaucoup à notre clientèle. Donc, soyez hyper positifs dans vos messages, que ça soit du mailing, du SMS ou que ça soit de la vidéo. Soyez une source de bonne humeur, c'est vraiment très important. Pensez à faire des combinés avec soins visage, ongles, épilation. Profitez-en pour peut-être vous ouvrir à une nouvelle clientèle. Les hommes, les adolescents, vous n'avez pas eu le temps jusqu'à maintenant de faire des mailings sur cette clientèle-là, et ben, c'est le moment de faire, pourquoi pas, une offre découverte, des mailings pour attirer une nouvelle clientèle. Pourquoi pas votre cliente, quand elle vient, eh ben, tourner quelque chose pour faire venir aussi son mari, pour faire se tourner, pour faire aussi venir les enfants. Allez savoir, je pense que voilà, le côté créatif, ça va venir au fur et à mesure. Vous allez penser à quelque chose, ça va générer sur une autre offre, sur une autre idée, mais pensez aussi à pouvoir faire venir une autre clientèle dans votre institut. À la fin de ce confinement, voilà, on va tous avoir un grand besoin de contact. Donc, vous, quand vous allez retrouver votre clientèle dans votre institut,
Voilà, il va falloir que ça soit encore plus chaleureux, encore plus dans le contact, et puis avoir des conversations qui soient aussi dans l'accompagnement et dans le positivisme. Oui, il faut mettre de côté vos émotions et votre stress pour ne pas l'envoyer sur la clientèle ni maintenant, ni quand elles vont revenir. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Donc le maître Caroline François n'a pas pu se connecter, voilà, elle est dans un coin où ça capte pas, on a fait plusieurs tentatives, ça veut pas, donc du coup elle va nous préparer quelque chose que je mettrai dans le livret digital quand elle aura des informations, parce que là pour l'instant elle m'a dit en termes d'information ils ont pas encore de choses très concrètes, ou en tout cas pas plus que ce qu'on a eu déjà avec monsieur Lico qui est l'expert comptable commissaire aux comptes. Dans le livret vous aurez des liens sur lesquels cliquer pour pouvoir faire vos démarches. Voilà, je vais vraiment m'atteler à vous faire ça très très vite pour que vous l'ayez lundi au plus tard pour pouvoir le faire très 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 rapidement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu une bonne dose de bonheur et de rigolade avec nous. Moi ça m'a fait très 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 plaisir d'organiser ça, ça a été beaucoup de boulot et puis il a fallu le faire vite, mais c'est génial et je suis vraiment ravie. J'espère qu'on a pu apporter une petite pierre à l'édifice. Sachez que le confinement va continuer certainement plus de 15 jours. Je referai une e-conférence comme ça pour refaire le point par rapport aux aides, quand on en saura un petit peu plus. Je pense que là, début avril, on refera quelque chose, donc restez connectés parce que ce sera sur ma page Facebook. Et comme ça, on pourra à nouveau faire peut-être un livret digital avec d'autres informations, ou en tout cas compléter celui que vous aurez reçu avec d'autres informations et d'autres intervenants. Voilà, on va prendre soin de vous. Moi, je vous adore. Je vous aime, vous êtes des femmes extraordinaires. Je le dis tout le temps, les esthéticiennes, vous êtes des femmes incroyables. Ayez confiance en vous, parce que là, voilà, moi, je sens votre énergie qui est en train de monter. Ça me fait des vibrations de partout. Je sens votre dynamisme et je sais qu'on va y arriver. Soyez confiantes, soyez fortes et soyez solidaires. Merci, 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 merci mille fois à vous. Et moi, je vais vous mettre une note à vous toutes sur 10. Je vous mets 10, je vous mets 10 sur 10 parce que vous êtes au top d'être là avec nous. Je vous adore. On se dit à très vite sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite pour faire à nouveau des conférences pour mettre en place une stratégie encore plus forte, encore plus loin pour nous préparer au retour. Si vous ne recevez pas le livret d'ici mardi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mets mon mail là. Non, je vais vous mettre le mail d'Anaïs. Je vais vous mettre le mail d'Anaïs de façon à ce que vous puissiez demander le lien pour accéder au livret. Donc, contact@mediageformation.com. Je n'avais plus rien du tout. Plus d'images, plus de son. Donc, je ne sais pas trop ce que tu as dit là. T'inquiète pas. J'ai laissé le mail, en fait, pour que si mardi, elles n'aient pas le lien pour le livret digital, elles puissent t'adresser un mail pour le demander. Donc, Anaïs aura le lien. Elle pourra vous l'envoyer si mardi, vous n'avez rien. Voilà. Merci à vous, à tous vos commentaires. Avez-vous un conseil sur le logiciel de caisse pour le marketing qui serait bien? Bon, on parle beaucoup de Flexi, qui a quelques bugs, mais en tout cas, ils ont fait une super offre. C'est-à-dire qu'ils ont offert le mois de mars où ils vont offrir le mois d'avril. Ils ont fait un truc super. Moi, j'aime beaucoup Flexi parce qu'on a énormément de chiffres avec Flexi pour justement voir quelle cabine est utilisée plus, quel est le soin qui est utilisé plus, est-ce qu'il y a un soin qui du coup est moins cher quand on le propose, mais qui du coup nous permet d'avoir une marge plus intéressante. Enfin, il y a énormément de chiffres, donc Flexi, moi j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres logiciels à proposer, bah les filles, n'hésitez pas à répondre à Anso qui a posé la conseil au niveau. Oui, le site pour le sport, t'as raison Christelle, je te le mets tout de suite. Sur Facebook, ça s'appelle donc l'usine club de sport. Voilà, eux, ils proposent de faire donc du coup du sport en ligne de façon gratuite pour s'activer. Moi, j'ai fait ça hier, c'était génial, j'adore ça. Donc peut-être qu'on se retrouvera via écran interposé en train de suer et en train de souffrir pour la bonne cause de façon à pas avoir les muscles qui deviennent raplapla avec ce confinement. Rendez-vous 360. Bravo et merci infiniment. Merci Anso. Amel, oh bah écoute, mignonne, tu es une femme exceptionnelle. On est toutes des femmes exceptionnelles, Amel, parce que on peut pas être autre chose qu'exceptionnelle quand on est et femme et indépendante
et maman, on est chef d'entreprise, on est conjointe, etc. La femme, elle est juste incroyable. Donc, croyez en vos capacités, les filles. Cette crise-là, c'est une crise, mais elle est passagère et on va s'en relever. C'est sûr, 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 sûr à 2000%. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très, très fort. Et on se dit à très, très vite. Salut à toutes. Aurélie, c'est quoi le site? Ah, avant de vous dire au revoir, Arte Beauté Entreprise Locale à Langon. D'accord, donc oui, Céline propose Arte Beauté Entreprise Locale en termes de logiciel. C'est quoi le site? Quel site, Aurélie? Le site pour le sport. Alors, CMG Club Sport aussi. Voilà, vous avez l'usine Club de Sport sur Facebook. L'usine Club de Sport sur Facebook qui fait du sport. Ok. Flexi, ça c'est bon, c'est parti. Je vous fais des bisous. Moi, je vais rester encore 2-3 minutes le temps de checker le chat, voir s'il y a des questions. D'une Ophélie. Ah. C'était par rapport à la reprise. Elle voulait savoir si elle investissait dans la minceur ou les ateliers spéciaux pour enfants. Qu'est-ce qui était le mieux en fait? D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas soulevé, mais. Pour vous donner mon expérience personnelle, il y a eu un moment dans ma vie de gérante d'institut où c'était un peu difficile. Et ben j'ai fait un choix en fait, c'est-à-dire que j'ai investi, j'ai contracté un prêt auprès de ma banque de 18 000, 15 000 hors taxes en fait, parce que ils nous prêtent sur le hors taxes pour acheter une cryo. Voilà, à l'époque j'ai acheté une cryo lipolyse, donc j'ai fait un prêt de 15 000 hors taxes. Parce que du coup, j'étais dans le creux de la vague là au niveau de mon chiffre d'affaires et j'ai décidé d'investir. Alors, j'en ai pas fait un petit, hein, j'ai pris une cryo, mais voilà, c'est un modèle économique qui m'intéressait parce que la cryo, c'est du main libre, que la séance, je la vends 200 euros. Donc, 200 euros de l'heure et en main libre. Donc, pendant que je faisais un soin, en fait, à côté, j'avais quelqu'un qui était en cryo. Et ça m'a permis de rebondir. Donc, oui. Pendant la crise, ça c'est une des options, faut pas hésiter, vous pouvez aussi choisir d'investir pour pouvoir justement aller chercher une nouvelle clientèle. Vous pouvez choisir d'investir pour du coup augmenter le panier moyen de votre clientèle et puis vous pouvez investir parce que vous êtes en plein changement de concept. Et vous pouvez choisir de vous former. Alors, quelle formation? Ça, il faut que vous puissiez le choisir vous-même. Ça peut être dans l'anti-âge, dans les technologies, dans l'amincissement. Ophélie, c'est un choix. En effet, ça peut être un concept pour les enfants, un concept pour les hommes. Ça peut être un concept pour les femmes ménopausées. Ça peut être un concept pour les femmes qui ont subi des grosses prises en charge médicales, chimiothérapie, voilà, cancer. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Mais oui, formez-vous. De toute façon, là, c'est le confinement, donc formez-vous. À savoir que de toute façon, les FAFSEA et anciennement OPCA, ils prennent en charge. Ils ont vraiment envoyé un message que moi-même j'ai reçu, comme quoi les dossiers étaient acceptés, que les financements se faisaient pour vos formations. Donc, vous pouvez choisir de vous former. Voilà, moi, je suis à votre disposition pour les formations en ligne sur le peeling, la cornéothérapie. Après, ce sera le micro-needling où on fait la théorie par écran interposé, puis la pratique à un autre moment en décalé. Voilà, vous avez vos formatrices et vos formateurs qui sont là et qui peuvent profiter de ce moment-là pour vous faire vos formations parce que les dossiers sont acceptés, la prise en charge se fait normalement. Une marque de l'aide, oui, une marque de l'aide. Alors, je vais organiser très prochainement une e-conférence avec justement un fournisseur et même un fabricant de LED, un fabricant de LED et un fabricant de cryo. Voilà, ce sont des gens très bien et c'est auprès d'eux que moi j'ai acheté mon matériel. C'est français. Alors l'avantage, c'est que du coup, c'est pas chinois, donc il n'y a pas de problème de SAV, il n'y a pas de problème de réassort. Soyons chauvins, ils sont pas plus chers que d'autres, au contraire. Et du coup, ils sont fabricants et fournisseurs de LED et de cryo. Donc bientôt sur Facebook, on fera justement une e-conférence avec cette entreprise-là, qui est une entreprise à échelle humaine. Ce sont vraiment des gens qui sont adorables et qui sont pas avares de leur temps pour répondre à des questions. C'est pas les commerciaux qui vous vendent et qui vous racontent n'importe quoi. Pas du tout. Voilà, ils sont dans la Lozère et ce sont des gens très bien. Donc, vous verrez ça en ligne prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu encore? Top le peeling. Ouais, Amandine, on se voit dans un peu moins d'une heure pour finir la formation peeling. En effet, la lettre, ça vous intéresse. Super. Et on parlera de tout ça en effet. Voilà, bon.
on va clore, je pense. On a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions comme ça qui vous viennent, à ce moment-là, vous avez le mail aussi de Anaïs pour poser des questions. Et en effet, si elles sont pertinentes, elles seront dans le livret. Et puis, si on peut y répondre à ce moment-là en direct avec vous, on y répondra en direct avec vous par le mail. Anaïs, est-ce que tu as autre chose du coup que tu as vu avec tes yeux de lynx que je n'aurais point vu ? Il ne semble pas. Non, je crois qu'on a fait tout le tour. Alors cette fois, c'est le moment. Ouais. On va se faire des gros bisous. Moi, je vais rester encore 5-10 minutes par rapport au chat. Donc celles qui veulent rester connectées puis qui veulent me poser des questions, moi j'ai encore 5-10 minutes devant moi sans problème. Sinon, toutes celles qui ont déjà pris une bonne dose d'énergie, je vous embrasse très très fort. Girl Power, et à très vite. Ciao, 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 ciao à tout le monde. Alors, cornéothérapeute phase 2, je suis en train d'y bosser et tu vois, avec tout ça, ça m'a un petit peu chamboulé dans mon planning, donc je suis en train d'y travailler, ce sera pour bientôt. Cécile, maintenant que nous avons le temps, pourrions-nous revoir tes anciennes conférences, mes anciennes conférences? Écoute, si tu veux, Emmanuel, le replay de mes anciennes conférences, oui, je te prépare un petit mail avec les liens, ok, avec plaisir. Je sais pas si tu as été là, Emmanuel, au tout départ. Tu as les filles, donc, de esthéticienne performante, la Aurore et Néi, qui ont fait des cadeaux extraordinaires. Elles ont offert leur conférence de l'année dernière de Esté Power. Donc, je vous remets le lien là. Hop, copier, tac. Je vous remets le lien là. Elles ont fait un super cadeau. Voilà, vous retrouverez tout de toute façon aussi au niveau du livret. C'est pour quand la fête sur Paris? Amel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas y arriver. Bon, j'espère très bientôt, Amel. J'espère vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bientôt. Alors, Christelle, avez-vous vu ma question? Écoute, ma belle, vos formations à distance, pardon, d'accord, cela ne nécessite pas de déplacement pour la pratique. Eh bien, en fait, tu as des formations, Christelle, à distance, comme par exemple le peeling, la cornéo. Ça, c'est des formations à distance, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as des formations aussi à distance avec Jérôme pour la nutrition et la micronutrition anti-âge et gestion du poids où tu n'as pas besoin de te déplacer. Absolument. Si tu veux des infos sur nos formations, n'hésite pas à te rapprocher d'Anaïs, contact@mediageformation avec un s.com. Elle se fera un plaisir de te répondre. Marion, ok. Alors, faites un mail pour le lien, pour les replays. Faites un mail, ce sera plus simple. Oui, j'ai entendu Nelly, c'est super tout ça. Ouais, super, si t'as pu entendre. Ok, écoutez, génial. On s'est fait 2 heures, quand même 2 heures de e-conférence, c'est passé super vite. Voilà, j'en referai une de toute façon début avril avec les mêmes intervenants, avec d'autres intervenants en fonction des actualités. On viendra vous apporter encore plus d'outils pour ranger dans votre boîte à outils. Est-ce que on a d'autres questions? Je pense que là, on a fait le tour. En tout cas, je vous embrasse du coup très fort. Continuez et prenez le temps aussi de vous reposer. Prenez le temps aussi pour vous recentrer sur vous et pour souffler. Ne culpabilisez pas si vous vous accordez une journée à ne rien faire. La procrastination est autorisée parce que ça fait du bien pour se ressourcer et reprendre de l'énergie. Merci à vous les filles, je vais maintenant couper cette diffusion, ça fait 2h10, bravo à vous, merci de nous avoir suivis. À très vite, ciao.